Mi banu mi na do pe pe ro ta re mi ka ka ba we ro po fo mi no gi go to me ma u pe ro ta pe ko mi do do mi da gbe mi wa mo we fi fo bo ro gi go to me che le mi ni do pe ko no bu re mi ka ka ba we a ko ba mi no gi go to me Je disais donc voilà, que c'est avec cette mélodie de l'artiste béninoise Bénédiction que nous allons commencer cette émission, la toute première donc, de l'année 2022. Et déjà, en l'entame de cette émission, je voudrais souhaiter à tous nos amis internautes qui nous suivent une heureuse année 2022, une heureuse année 2022. Aujourd'hui, donc, première émission de cette nouvelle année, c'est une émission consacrée à la rétrospective de l'année 2021. Et pour faire la rétrospective donc, de 2021, j'ai invité des compatriotes ici qui sont là sur ce plateau virtuel avec moi que je voudrais reconnaître parmi nous. D'abord, M. Kodo Djomaïha. Bonjour, M. Kodo. Bonjour Vital Panou, bonjour à tous mes compatriotes qui sont sur le plateau et à ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai également bonne année 2022. Merci. Bonne année également à vous, M. Kodo. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. J'ai sur ce plateau avec moi M. Hassani Assouma. Bonjour, M. Hassani. Bonjour, cher ami Vital.
Bonne année à vous tous et heureux d'être parmi vous. Merci à vous. Et bien de choses à vous. De réciproque, monsieur Assouma, j'ai sur ce plateau également monsieur Richard Boningourou, hein, qui est toujours en transit bloqué quelque part à Paris. Monsieur Ouro, bonjour, bonsoir, bon après-midi à vous. Merci, monsieur Fadou. Ben, c'est vrai, vous avez raison, je suis bloqué un peu à cause d'un test COVID. Donc, mais ça ne m'empêche pas d'être présent. Je vous dis merci pour l'invitation et je souhaite une bonne heureuse année à tous les auditeurs qui nous écoutent un peu partout dans le monde. Et vous écoutent et vous répondent et vous retournent les vœux de façon réciproque. Aujourd'hui, donc, merci donc, d'être sur le plateau avec moi. Nous allons faire la rétrospective de l'an 2021. Les événements qui ont marqué donc, 2021, et pour en tirer les enseignements et pour voir dans quelle mesure ces événements pourraient impacter ou avoir quelques conséquences sur l'année 2022 que nous venons donc de commencer. La première action ou le premier événement donc, de 2021 dont nous allons parler très, très rapidement, puisqu'il y en a beaucoup dans cette émission, je vais vous inviter à aller quand même assez très rapidement lorsque je vais vous relancer sur une question d'aller assez rapidement pour permettre à votre co-débatteur d'avoir aussi le temps de réagir sur les mêmes questions que vous. Nous allons d'abord parler de la tournée présidentielle. Vous vous rappelez en 2021, au début de l'année, il y a eu une tournée présidentielle qui a été baptisée tournée de reddition de comptes, où le chef de l'État a parcouru les 77 communes, hein, du nord au sud, les 77 communes de notre pays, le Bénin. On parlait donc de tournée de reddition de comptes lorsqu'on se situe à quelques semaines donc, d'une élection présidentielle. Pouvait-on véritablement penser qu'il s'agissait d'une tournée de reddition de comptes ou est-ce que vous pensez plutôt que c'est une opération de charme ou bien une pré-campagne? Je vais m'adresser d'abord à M. Kolo très rapidement, en 2 minutes. Oui, merci Monsieur Vital Panou de me donner la parole en premier pour cette émission, la première de 2022. C'est important. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous allons faire donc ici ensemble avec mes compatriotes qui sont sur le plateau, Monsieur Assani, Monsieur Ouro Richard. Nous avons fait un petit retour sur cette fameuse année 2021, année politique bien sûr, dans notre pays. Donc, vous me posez la question d'entrée en me demandant ce que je pense. Et ici, vous savez très bien que je représente un parti politique. Je suis le porte-parole du Front Souverain. Quelle est notre analyse de cette fameuse tournée de reddition de comptes du président Talon? Je vous dis sincèrement, pendant toute cette tournée, pour nous autres, au Front Souverain, nous avons considéré que c'était une tournée de campagne. Ne tergiversons pas sur les mots, c'était sa campagne présidentielle, rien d'autre. Il n'y a aucune reddition de compte. Une reddition de compte, je ne crois pas qu'il faille engager autant de moyens, autant de, comment je vais dire, de mise en scène pour traverser toutes les communes du Bénin. C'était pratiquement toute activité cessante au niveau de tous les ministères, hein, et départements ministériels du Bénin, que tout le monde devait être sur le terrain. Pour moi, oui, tout le monde. La reddition du compte, ça doit être permanent. Ça, c'est, il ne faut pas choisir une époque à l'approche des campagnes présidentielles pendant 5 ans pour aller sur le terrain et faire tout le spectacle que nous avons vu. C'était à son avantage. On reviendra peut-être là-dessus en introduisant avec ce que Vlavonois dit en l'accueillant récemment au Parlement pour nous faire encore une reddition de 2021 peut-être. On va poser la même question à M. Assani. M. Assani, pour M. Kolo, il ne s'agissait pas d'une reddition de comptes, c'était une pré-campagne.
Oui, mais évidemment, c'est une pré-campagne, une reddition de compte qui intervient dans ces circonstances-là et dans cette période. Mais il est évident qu'il s'agissait d'une campagne, et je ne parlerai même pas de pré-campagne, moi je parlerai de campagne. Donc, c'est évident que c'était une campagne, sauf que je me dis que cela venait bien à propos, parce que c'était quand même une période qui a connu beaucoup d'activités politiques dans le pays. Il n'y avait pas que lui qui était en campagne, mais tout le monde y était, et puis voilà. Et c'était une fin de mandat. C'était une campagne. Il ne faut pas avoir peur des mots, c'est exactement une campagne. Pour M. Kodo, la reddition des comptes doit être une reddition des comptes permanente. On n'a pas besoin d'attendre la fin de mandat avant de faire la reddition des comptes. La reddition des comptes, même par rapport à quoi d'ailleurs? Quand on parle de reddition de comptes, quand on parle de réduction de compte, justement, il s'agit d'une opération de compte rendu en réalité à la nation, au mandant. Mais bon, est-ce que c'est de ça qu'il a été question? Je ne crois pas, parce qu'on a suivi le chef de l'État dans sa tournée. C'était beaucoup plus une campagne, et je dirais peut-être une campagne d'explication de son mandat, parce qu'il est évident, et cela est clair d'ailleurs, hein, pour tout un chacun de nous, que le premier mandat de Talon a été un mandat complètement incompris, et qui reste complètement incompris jusqu'à ce jour, de nombre de Béninois. On ne sait pas ce qui a pu se passer. Donc, il s'est senti obligé d'expliquer un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'il s'est mis, mais c'est en même temps une occasion de campagne. C'était en même temps une opération de campagne qui ne disait pas son nom. Maintenant, oui. ce qui était un peu gênant, moi, ce qui m'a gêné un peu dans le tout, c'est que ça a été une campagne qui a été faite avec les moyens d'État. Les moyens de l'État. C'est ça qui a été un peu gênant. C'est peut-être pour ça que le nom « Reddition de compte » a été trouvé pour expliquer que c'est un subterfuge à mon niveau, enfin, à mon sens, hein. Pour justifier le moyen utilisé qui était complètement disproportionné. C'est ça. Il a rappelé tout à l'heure, vous l'avez rappelé d'ailleurs aussi tout à l'heure, c'était tout travaux cessant et tout le monde était sur le terrain pour rendre compte. Bon, ce n'était pas nécessaire à mon avis, voilà. Mais nécessaire vu le contexte. Vu le contexte. Ce n'était pas nécessaire, mais c'était utile. C'était utile pour les causes. Pour les causes, voilà. C'était utile pour les causes. Monsieur Richard Bonny, vous avez suivi également donc, la descente, hein, je ne dirais pas seulement du chef de l'État, mais c'est de tout son gouvernement, de tous les membres des deux partis politiques qui soutiennent ces actions en début d'année, hein, 2021. Dites reddition de compte, voilà, vous avez suivi Monsieur Kodo, Monsieur Hassani Assouma, votre réaction également par rapport à cela. Merci, Monsieur Vital. Vous savez, vous avez déjà dit à l'entame ce qui était réellement. Vous avez dit la descente du chef de l'État. En réalité, c'était juste une descente du chef de l'État dans les localités qu'il a visitées pour voir un peu ce qui s'est passé. Parce que la reddition de compte dont on a parlé, je ne sais pas dans quel sens est-ce qu'elle allait. Est-ce que c'était les populations ou le gouvernement, enfin, les ministres qui avaient certaines charges, qui devaient rendre compte à Patrice Talon des activités qu'ils ont eues sur le terrain, et c'est un peu ça que nous avons observé. Dans l'une de ces bourdes, d'ailleurs, qui était devenue l'habitude, monsieur l'ancien porte-parole devenu préfet, disait que le président de la République était allé se rendre compte de l'effectivité des actions qui ont été posées sur le terrain. Donc, ce n'était pas une réduction des comptes, était plutôt du gouvernement vers Patrice Talon et non de Patrice Talon vers les populations. Mais de façon générale, vous savez, la gouvernante de Patrice Talon a toujours été une gouvernante de ruse et de manipulation. C'est-à-dire que Patrice Talon convoque des concepts, hein, et dans l'effectivité, vous vous rendez compte que ces concepts-là sont creux. C'est-à-dire que quand il veut faire des routes, par exemple, il dit « je fais de l'asphaltage », oh, ce sont simplement des routes qu'il fait. C'est ce que les gens font. Kérékou en a fait, Sogolo en a fait, Yaïboni en a fait, et lui aussi, il les fait. Alors, lui, il dit « je fais de l'asphaltage ». Quand il fait, je ne sais pas, quand il va voter des lois, il dit « je fais des réformes hein? ». Donc, quand il va faire une promenade dans, pour,
pour faire campagne, il dit je vais en reddition des comptes. Donc, vous voyez, c'est une gouvernance empruntée dans ce sens que Patrice Talon, il pense qu'il veut ruser avec les mots. Donc, il trouve des concepts, il monopolise comme ça, il mobilise comme ça des concepts parce qu'il sait que, bon, relativement 12% des Béninois, il n'y a que 12% des Béninois qui sont allés à l'école, et selon lui, c'est 12% de son peuple ne sont même pas vraiment allés à l'école. Donc, il faut bluffer les gens. Donc, il raconte. Mais ce sont les Américains, mon cher ami. C'est juste une descente de Patrice Talon pour aller voir ce qui s'est passé sur le terrain et se présenter parce que certainement que son entourage lui a dit, écoutez, pendant 5 ans, vous avez dirigé le pays, vous n'êtes jamais allé au contact des populations, les gens ne vous ont pas vu pendant tout ce temps, et maintenant, vous voulez solliciter un second mandat. Alors, il faut quand même que, pour nous faciliter la tâche à nous qui irons pas de campagne pour vous, il faut quand même que vous venez au moins une fois pour que les gens vous voient. Alors, c'est sur conseil de son équipe de campagne qu'il est allé faire cette simulacre-là de machin. Donc, pour moi, c'est pratiquement un non-événement. On passe là-dessus. Monsieur Hassani, je vais quand même vous demander, lorsqu'on parle de reddition de comptes, quel aurait été le format idéal pour une équipe gouvernementale, par exemple, de faire de la reddition de comptes? Non, parler de reddition de comptes, d'ailleurs, la reddition de comptes doit être permanente, hein, en principe, dans un État comme le nôtre, et dans le souci d'une transparence dans la gestion de l'État, la reddition de comptes devrait être permanente. Et je crois qu'il y a un ministère d'ailleurs qui est... Il y a M. Kolo qui se connecte avec deux appareils, donc ça donne un retour. Non, ce n'est pas à votre niveau, M. Hassani, c'est M. Kolo qui essaie de se connecter avec deux appareils. Alors, M. Kolo, vous avec deux appareils, nous aurons un retour de signal ici à notre niveau. C'est bon. Non, vous allez mettre, voilà, vous allez couper l'audio sur l'un de vos appareils carrément ou déconnecter l'un des appareils tout simplement. Monsieur Hassani, allez-y. Bon, je disais tantôt que la révision de compte devait être permanente et qu'à cet effet d'ailleurs, il y a un ministère dédié à cela. Il y a le ministère porte-parole du gouvernement ou c'est pas le ministère de la propagande, je ne sais pas quoi. Qui est quand même là pour assurer la reddition des comptes, si cela s'avère nécessaire. Il y a un communiqué hebdomadaire du Conseil des ministres qui fait bien office de reddition des comptes. Mm-hmm. Et non, ce qui s'est passé la dernière fois n'est pas du tout de la reddition des comptes. Il faut savoir le dire, et il faut le dire aussi clairement, que cela soit. C'était juste une pré-campagne. Ne faisons pas d'amalgame parce que Richard Bouygues l'a dit tout à l'heure et vous-même vous l'avez d'ailleurs rappelé. Est-ce que c'était une reddition de comptes du gouvernement aux populations? Non, c'était pas ça. On a assisté à un format de reddition qui était quand même qui était beaucoup plus dans de la propagande en fait. Qui était beaucoup plus dans la propagande. Et comme je l'ai dit tantôt, cela venait bien à propos parce que ça répond à un besoin concis, ça répond à un contexte précis. C'était la période avant les élections. Il y avait des velléités qui étaient claires. Et puis, sans cela, on n'aurait pas assisté à cela. Sans ce contexte-là, on n'aurait pas assisté à cette reddition. Parce que quand vous regardez un peu le mandat de Talon, ça a été 5 ans de gestion sans communication. Ça a été 5 ans de gestion sans communication. On a assisté beaucoup plus à la normo-communication à l'époque. Oui, voilà. En tout cas, ça a été sans communication. Alors que communiquer ne fait pas si mal, en fin de compte. Et d'abord, communiquer participe même de la reddition de comptes. Au moins, chacun sait ce que le chef de l'État fait, chacun sait ce que le gouvernement fait, chacun sait à quel niveau se trouve l'exécution du PAC. Parce qu'il faut rappeler une chose, Talon a eu de la méthode. Ça, on ne l'aime peut-être pas, il est ce qu'il est, mais en matière de méthode, Talon a de la méthode. Talon est venu et nous a, même si c'est à grand frais, nous a présenté un programme ambitieux, très ambitieux, et a commencé par l'exécuter. Mais
ce programme, l'exécution de ce programme a péché par le manque de communication, a péché par le manque de reddition de compte. Et ça a été une gestion opaque pendant 5 ans. On a vu des choses pousser ici et là. Moi, personnellement, j'ai été très séduit l'année dernière, quand j'étais rentré au Bénin, de voir un certain nombre d'euros, de voir que les choses ont changé, de voir que les choses se font désormais autrement. Mais cela m'aurait moins étonné s'il y avait une communication qui accompagnait cela. Je n'aurais pas étonné de voir qu'entre entre Sekandi et Akpakpa, il y a une route qui passe devant Concorde, derrière Concorde. Je n'aurais pas étonné de voir cela. Bon, donc, la communication et la reddition de compte pouvaient... Ce n'est pas deux notions antinomiques, d'accord? Mais pendant 5 ans, on a laissé les gens dans le noir, on a laissé les gens sans communication. Et à la veille, on s'est dit, non, mais attention, il faut maintenant sortir tout ce que nous avons. Et ça a été un genre d'amateur de communication. On nous a passionnés de communication. Et cette communication, c'était beaucoup plus la campagne. Voici ce que j'avais prévu, voici ce que j'ai fait, voici ce que je ferai. Et quand vous ne parlez pas de reddition de compte en disant, je vais faire ceci, j'ai été bloqué par ceci, mais alors que c'est à ça qu'on a plutôt assisté. Donc, c'était beaucoup plus pour moi une communication de campagne. Il y a un autre événement ou un fait qui a marqué 2021, qui a marqué tous les Béninois. Ça a été la rénovation du Palais de la République, hein, rénovation qui a été, dont la réalisation a été très fortement médiatisée. On a vu des reportages même au niveau de la chaîne de télévision mère, l'OETB. La rénovation aura même été évoquée de façon satirique, ironique, voire même narquoise lors de la rencontre entre les deux présidents, Patrice Talon et Yahya Boni. On va même regarder ça très rapidement. Un millésime exquis au Palais de la Présidence de la République. Signe annonciateur de cette grande année, la rénovation de la Marina qui fait peau neuve après 5 ans de gouvernance Talon. Un palais comme neuf pour un mandat tout nouveau. De la cape aux pieds, la métamorphose a eu lieu, au point de rendre le palais méconnaissable pour ses anciens pensionnaires. Je ne me suis pas retrouvé. Je lui ai dit ça. Il a dit que je ne me suis pas retrouvé. Pourtant, il y a passé 10 ans. Je me perds. Je me suis perdu. Ça veut dire beaucoup de choses. Je crois que Dieu bénira toujours le Bénin. Je ne me suis pas retrouvé, je me suis perdu. On a même évoqué cela lors de cette rencontre de la rénovation. Donc, c'était un événement, la rénovation d'un palais, au point où on en a fait autant de communication. Selon vous, je vais vous laisser prendre la parole de façon libre, hein, celui qui voudra, sur cette question précise. Je peux... Oui, M. Kodo. D'abord, excusez-moi parce que j'ai constaté que techniquement, mon appareil ne fonctionnait pas. Je me suis recalé autrement. J'espère que ça tiendra le temps de l'émission. Je voudrais revenir rapidement, si j'avais quelques minutes en réserve, pour dire que la tournée de Talon, c'était plutôt pour justifier le fait qu'il dirait bientôt qu'il fera un second mandat, alors qu'il avait promis à la face du monde qu'il ne fera qu'un mandat unique. Donc, une opération... C'était une préparation psychologique. C'était une préparation psychologique pour faire passer une sorte de parjure. Et d'ailleurs il a annoncé pratiquement à la fin donc, de cette tournée son... Exactement. ...se représenter. Bon, je suis revenu rapidement là-dessus. Vous m'auriez permis de revenir là-dessus, Monsieur Vital, parce que, comme je le disais, mon appareil a coupé. Je ne sais pas si mes compatriotes sont revenus, ont déjà abordé ça, mais je voulais quand même le souligner avant qu'on continue. Concernant le palais, oui, moi-même personnellement, je m'y suis rendu parce que dans les activités de mon parti, on est allé déposer un appel dans lequel nous citions le président de la République. Donc, l'occasion m'avait permis en ce moment de me rendre à la présidente de la République. Et j'ai vu vraiment que c'est magnifique. Quand on rentre à l'intérieur, les alentours, tout ça là, c'est beau. Comme Yahya Boni, moi aussi, je ne connaissais pas les lieux, mais pour aller au bureau indiqué, je m'étais perdu. Et il a fallu que quelqu'un
finalement me repère à travers les caméras pour me conduire au bureau où je dois aller normalement, au secrétariat en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on peut dire? Lorsque votre pays fait une réalisation, lorsque nos ancêtres ont construit les pyramides, ça a été un gros effort, peut-être tout ce que ça représente à l'époque pour eux. Lorsque en Europe ici, on construit un bel immeuble, ça rentre dans le patrimoine d'un pays. Donc, ce que Talon a fait de la marina, vu son ampleur, son budget peut-être, ça rentre désormais dans le patrimoine du Bénin en tant que réalisation que nous devons prendre comme telle. Mais une fois que nous avons dit ça, il faut dire que c'est un choix politique. Lorsque vous avez un gouvernement, ce gouvernement gouverne, donc a ses priorités, surtout que nous sommes dans un pays où ce n'est pas le peuple, pas une vision qui fixe au président la ligne à suivre, les priorités nationales. C'est un président qui arrive avec son PAG, comme M. Hassani l'a dit tout à l'heure, et qui vous dit, je peux faire ça, et vous applaudissez tous, et vous le suivez. Vous ne lui avez pas tracé un chemin. Donc, quand il arrive, il se trace son chemin. Donc, il fixe ses priorités. Et donc, dans ses priorités, peut-être qu'il y a eu, effectivement, cette question donc, de renouveler son palais, là où il est, et peut-être va le laisser à quelqu'un d'autre. Ou peut-être, il a renouvelé son palais en se disant que je vais rester très longtemps. Vous ne connaissez pas ses plans. Puisqu'il a commencé à promettre 5 ans et a dit, je ne ferai plus 5 ans, je vais faire 10 ans. Et là, il a encore promis récemment qu'il ne fera que ces 5 dernières années-là. Mais nous ne savons pas, peut-être qu'il s'est construit son palais ou va vivre longtemps. C'est voilà, c'est ce que moi je peux dire là-dessus. Monsieur Ouro, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce sujet, mais la rénovation du palais, vous avez vu au début, moi je l'ai appris par donc, un reportage de l'OITB. Et l'élément que je venais juste de vous passer pour introduire donc, cette séquence a été encore un élément de l'OITB qui met ça dans le rétro de 2021. Donc finalement, pour l'OITB par exemple, ou bien pour la cellule de communication de la présidence, la rénovation donc, du palais était effectivement un événement marquant donc, de 2021 au point où ça s'est invité dans la rencontre entre les deux chefs d'État, Yahya Boni et Patrice Talon. Mais on a autant communiqué sur la rénovation, mais est-ce que finalement on a communiqué sur le coût de cette rénovation, M. Boni? Écoutez, je pense que vous répondez toujours à vos questions, parce qu'en réalité, allez-y savoir pourquoi est-ce qu'on communique sur la rénovation et qu'on ne communique pas sur le coût. Or, le coût est plus important que le produit lui-même. Maintenant, le commentaire de monsieur Yahya Boni, pour moi, n'est pas plus important. Yahya Boni a été ce genre de griot là tout pendant 10 ans. C'est pas le plus important. Mais vous savez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un biais d'observation et de résultat qui est une pathologie africaine. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le paraître. On tient pour compte le fait de paraître riche et non d'être riche. C'est-à-dire que et même les mieux éduqués, les mieux outillés, n'échappent pas à cette règle-là. C'est un peu bizarre, parce que monsieur Hassani l'a dit tout à l'heure, quand il a vu ces belles routes-là qui sont construites, et Yahya Boni, qui est un docteur en économie, a trouvé que c'était une belle avancée, une belle prouesse, un grand palais très majestueux. Mais personne ne s'est posé la question comment est-ce qu'on maintient le coût de l'entretien de ce palais-là. Parce que le tout n'est pas de construire un palais, mais pour que ce bien public-là demeure tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il faut de l'entretien sur des centaines d'années. Comment est-ce qu'on arrive à entretenir ce palais-là pendant des centaines d'années? Et c'est la même chose que nous faisons quand, par exemple, Patrice Talon dit « Moi, je veux voter un budget de 2 000 milliards ou de 20 000 milliards. » Personne ne lui demande comment est-ce qu'il arrive à boucler ce budget-là, comment est-ce qu'il trouve l'argent pour boucler ce budget-là. Donc, la question économique est pour moi une question primordiale. Personne ne s'est demandé combien de milliards est-ce que ce palais a coûté, comment est-ce que les contrats ont été signés, quel est le coût exact, comment est-ce qu'on a pu financer le coût de ce palais-là et est-ce que c'était la priorité.
Est-ce que c'était la priorité? Pendant que vous prenez une économie qui est à terre, que des jeunes Béninois aujourd'hui n'ont pas d'emploi, croupissent sous le poids de la misère le long des routes, pendant qu'il y a une inflation galopante sur les produits de première consommation dans le pays, tout ce que Patrice Talon trouve à faire, c'est de construire un palais majestueux où la République, c'est comme si nous sommes à l'époque des pharaons, comme le disait M. Kodo, où le pharaon est dans son palais majestueux et que ceux qui construisent ce majestueux palais-là sont tous désossés. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous allez me dire que les Béninois mangent bien à leur faim? Non. Alors, sur les réseaux sociaux, puisque c'est là pratiquement notre terrain de jeu, puisqu'on nous a expulsés du vrai terrain des enjeux béninois et qu'on nous a reclus sur le terrain des réseaux sociaux, mais vous regardez au moins sur les réseaux sociaux. Les Béninois disent, nous ne sommes pas capables d'acheter du cassoulet à 5 pieds, qui est devenu 5 000 le kilo. Le gari a pris de la valeur. Tout a pratiquement pris de la valeur dans le pays. Et le sujet le plus important au Bénin aujourd'hui, c'est que nous avons un palais majestueux. Donc, il y a une asymétrie entre les résultats qui sont attendus dans le pays et l'observation qu'on fait des projets qui sont réalisés. Je pense que, moi je suis sûr que Patrice Talon, quand il va déposer son bilan, et c'est justement pourquoi il ne fait jamais de bilan, parce qu'on a parlé de révision des comptes, vous avez demandé à M. Assadi ce qu'il comprenait de la révision des comptes. La révision des comptes, cher ami, c'est un processus technique, ce n'est pas aller en balade de plaisance dans le Nord. La reddition des comptes est un processus technique par lequel on dit, voilà, pendant 5 ans, sur le plan économique, voici les statistiques, et qu'on donne de réelles statistiques. On donne des avancées appuyées par des faits, ce que Patrice Talon ne peut pas faire. Sur le plan technique, ils ont échoué. Sur le plan physique aussi, ils ont échoué. Ce n'est pas fait quelques routes, parce que Patrice Talon n'est pas en train de réinventer le Bénin. Ces routes-là sont faites à partir de d'autres routes qui ont été faites par Kérékou, par Nicéphore Soglo, par Yahi Boni. Donc, quand Hohoanou est nommé, il y a des signes. Donc, Hohoamadea, et Massimano, Débloué. Donc, on ne peut pas dire waouh, comme si rien n'a jamais été fait dans le pays. Il y a des choses qui ont été faites. Mais pratique principalement, qu'est-ce que lui-même il fait? C'est ça la question que nous devons nous poser. Ce n'est pas qu'il fait des routes. Il fait des routes, tout le monde fait des routes. Mais qu'est-ce que lui-même il fait pour le Bénin? Quels sont ses projets? Faire des routes et puis faire un palais de la République, c'est ça, développer un pays. Non, mes amis, moi, mes attentes sont encore plus grandes. Vos attentes sont encore plus grandes. Certainement, on aura l'occasion de revenir là-dessus. L'autre événement qui aura marqué 2021 aura été, bien évidemment, l'élection présidentielle avec les remous que ça a suscité. Une élection qui aurait dû se tenir à une certaine date, mais ça n'a pas été le cas. On a parlé de rallonge de 45 jours. Je vous fais réagir par rapport donc aux conditions de son organisation, conditions d'organisation donc de cette élection présidentielle. Nous allons rapidement faire un tour sur les candidatures qu'il y a eu. On te rappelle qu'il y a eu 3 duos de candidatures et le déroulement même de cette élection présidentielle avec les cas de fraude qui ont été observés et les résultats de cette élection et bien évidemment les affrontements qui ont émaillé le processus électoral. Monsieur Hassani, quelle impression vous avez? Donc, du déroulement même de la présidentielle de 2021. Merci, Vital. Cette question, j'aurais vraiment voulu qu'on ne l'aborde pas ici. Mais puisque tu l'abordes, puisque vous l'abordez, on va l'aborder. Elle est très sensible. Vous connaissez mon... Ou bien elle est trop vaste pour être abordée en quelques minutes. On ne va pas l'escamoter, mais on va essayer de l'aborder. Non, je crois que je cherche à utiliser les mots les plus corrects pour être politiquement correct. Mm-hmm. Et l'opposition a légitimé le deuxième mandat de Patrice Talon par sa participation à cette élection et par son attitude. L'élection est devenue propre. L'opposition a rendu cette élection propre. Vous savez que je fais partie de ceux qui ont conseillé à l'opposition pendant longtemps de ne pas participer au processus électoral. Du fait de tout ce qui s'est passé
D'abord, déjà en 2019, par le vote de la nouvelle constitution, et ensuite, par tous les aménagements qu'il y a eu en 2020, j'ai demandé à ce que l'élection soit boycottée, mais je n'ai pas été écouté malheureusement. Moi, je suis des veilleurs de conscience et mon rôle s'arrête là. Maintenant, quand le jeu politique se déploie, je suis obligé de me rallier aux politiques et de suivre la direction que nos hommes politiques ont bien voulu donner aux choses. Monsieur Sanika, lorsque vous parlez de l'opposition, vous parlez de laquelle de l'opposition? Parce qu'il y a une opposition. Ah, voilà, la question. Il y a une opposition modérée ou tendancieuse? Non, je préfère ne pas chercher à scinder l'opposition parce qu'elle est suffisamment divisée pour que, de par la scission que je pourrais faire, qu'elle soit davantage divisée. D'accord? Je parle de l'opposition parce que je dis tout ce qui s'oppose, tout ce qui vient à contrario aujourd'hui à l'élection de Talon est une opposition. D'accord? Donc tous les duos, selon moi, qui sont venus en face de Talon viennent au nom d'une opposition, ne serait-ce qu'une opposition d'intention. D'accord? Donc, alors, je dis voici une élection qui vient avec des dispositions juridiques que nous connaissons. Dans un climat que nous connaissons, d'accord? Et puis, des gens qui viennent, disant qu'ils sont opposants, qui veulent participer à cette élection-là. Je dis, il y a un problème. Je ne vois pas par quelle alchimie on aurait pu battre Talon à cette élection-là. Si les gens ont décidé d'aller aux élections, ils n'avaient qu'à suivre les règles jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Et là, je vais m'en prendre vertement aux deux duos sérieux qui ont failli se présenter face à Patrice Talon. Vous ne pouvez pas venir dans un processus électoral avec une loi électorale qui est suffisamment claire, suffisamment expliquée, venir apporter votre bois au feu de cette élection-là et après crier qu'il y a mal donne. Il y a quelque chose de pas sérieux Dans la chose, et ça a fait que moi, bon, je me suis dit, ils ont rendu l'élection propre, c'est une élection qui aurait pu ne pas être propre. Talon aurait pu se retrouver seul, face à lui-même, et aujourd'hui serait en difficulté. Mais aujourd'hui, la participation ou l'intention de participer de Lekia Madougou, de Ivor Joël et des autres, fait que ça a été une élection correcte. Bonnie Richard, vous êtes du même avis que M. Hassani. Est-ce que la participation, l'intention de participation de certains candidats, les candidats les sérieux auxquels faisait allusion M. Hassani, ça a purifié, entre griffes, la réélection de Patrice Talon? Pour ce qui est des intentions de Patrice Talon, des intentions politiques, bien évidemment, et même quelques intentions économiques, aucune action, qu'elle soit naïve ou comment est-ce qu'on la qualifie, ne peut venir pas purifier les intentions de Patrice Talon, qu'elles soient politiques ou économiques. Ça, c'est clair là-dessus. Maintenant, je ne partage pas du tout l'observation de M. Hassani, qui a l'air d'être une observation de bon sens, mais que je ne partage pas du tout. Parce que, au contraire, c'est le fait que ces gens ont dit, nous voulons participer à l'élection, nous voulons aller à l'élection, mais dans de vraies conditions, qui a permis de délégitimer le simulacre d'élection que Patrice Talon a fait. Parce que même si Joël Aïvo et Rikiat Madougou ne se sont pas présentés à cette élection-là, Patrice Talon avait déjà son plan qui est de présenter des candidats, qu'ils soient de vrais candidats ou de faux candidats, mais qu'il y ait de présenter des candidats tels que les autres duos qui sont des duos factices, que nous savons tous qu'ils sont des duos factices, mais qui sont quand même des duos. Parce qu'on ne va pas, insulter autant les Béninois et dire, bon, parce qu'eux, ils ne sont pas aussi puissants que Joël Aïva ou Rekiad Madougou, ce ne sont pas des Béninois, ils sont des Béninois et qui ont le droit aussi d'aller à l'élection. Donc, même si Joël Aïvo n'était pas allé à l'élection, même si Rekiat Madougou n'était pas allé à l'élection, ces autres duos-là qui ont été planifiés par Patrice Talon seraient présentés comme des candidats. Et dès qu'ils sont présentés comme des candidats en face d'un Patrice Talon et que Patrice Talon a gagné,
Dès lors, ça crédibilise du coup l'élection. Ce que M. Hassani est en train de dire aurait pu se faire convenablement si, par exemple, même ces duos factices préparés par Patrice Talon, qu'il allait piocher dans une pseudo-opposition, toutes ces personnes-là refusaient d'aller à l'élection et que Patrice Talon se retrouvait seul face à son fils aîné qui traîne un peu dans Cotonou ou avec quelqu'un d'autre. Oui, en ce moment, oui, on aurait pu dire que cette théorie-là, elle est valable. Mais dès lors qu'il y a des Béninois qui sont capables de se dédire quelques Paul Roupé et tout le reste, et qui sont capables de se mettre à la disposition de Patrice Talon pour jouer le jeu de Patrice Talon et faire croire qu'ils sont dans une pseudo-opposition à ce dernier, eh bien, dès lors qu'on leur reconnaît le droit constitutionnel et citoyen de participer à une élection, parce que moi, je ne suis pas pour dire non, tel Béninois est bon, tel Béninois n'est pas bon. Non, pour moi, tous les Béninois sont bons. Alors, dès lors qu'on leur reconnaît ce droit constitutionnel de participer à l'élection et qu'ils participent à l'élection contre Patrice Talon, eh bien, ils ont crédibilisé l'élection, que Rekia et autres ne viennent, ce ne sont que des adjuvants. Donc, je ne partage pas du tout cette question-là. Mais, oui, allez-y. Mais en allant à l'élection et en disant, nous voulons aller à l'élection, malgré que tu as fait voter une loi de dissolution et que tu as mis une disposition mafieuse qu'on appelle parrainage ou tout autre, nous allons te montrer que nous pouvons, avec ce même parrainage-là, avoir le parrainage et aller te battre à ta propre élection. Là, ils ont fait preuve de beaucoup de courage. Parce que si Patrice Talon n'avait pas rusé, s'il n'avait pas été ce président relativement hors la loi en introduisant qu'on appelle des hors-la-loi aussi, tels que Badabassi et Sado Nazé et machin, qui sont allés escroquer Rekiad Madougou. Eh bien, Rekiad Madougou avait en idée d'obtenir les parrainages, de se présenter officiellement contre lui et de le battre sur le terrain électoral. Donc, finalement, Patrice Talon, en faisant ce qu'il a fait et en arrêtant des opposants, des candidats, des futurs candidats, parce qu'ils n'étaient pas encore candidats pour le pied. Il n'était pas encore candidat. En les faisant arrêter à quelques jours d'une élection présidentielle, en mettant en prison ses possibles candidats, il a lui-même discrédité l'élection. Ce n'est pas les Rekiad, ce n'est pas Rekiad Madougou, ni Joël Aïwa qui ont discrédité l'élection. Je vais vous faire intervenir tout à l'heure, mais avant de le faire, je vais faire réagir encore M. Hassani, puisque M. Ouro l'a pris de contre-pied dans son analyse. M. Hassani. Non, ça ne va pas être un match de ping-pong entre M. Ouro et moi, mais ce que je disais tantôt, j'ai compris que M. Ouro ne m'a pas complètement cerné, c'est que déjà, quand vous venez à une élection présidentielle pour laquelle le corps électoral a été convoqué au-delà du calendrier constitutionnel que vous défendez, et que malgré cela, vous allez vous présenter, en plus en duo, dans les conditions de la nouvelle loi, vous ne pouvez plus dire que cette élection est contraire à la constitution que vous défendez. Soyons sérieux, ça ne fait simplement pas sérieux. Hein? Cette seule participation, et c'est dit, moi je dis, si on devait parler de fidélité à la nation, de fidélité à la République, hein, ces amis qui ont voulu crier trahison de la part de Talon ont mal managé leur coup. Hein, et le seul dans ce dispositif pour qui j'ai beaucoup de respect et que je devrais accompagner, s'il demandait même aujourd'hui à ce qu'on descende dans la rue parce qu'il aura été le candidat légitime ou peut-être le candidat qui aura gagné les élections, c'est Kalil Soglo qui s'est présenté pour une élection, pour cette élection-là peut-être, parce que le corps électoral a été convoqué peut-être au-delà de la base constitutionnelle connue, mais qui est allé en considérant la constitution de 1990. Il a réfuté au chef de l'État et aux députés leur pouvoir à changer les choses. Moi, je dis, quand vous avez fini de déférer à une loi, vous ne venez pas la contredire, vous ne venez pas la dénoncer. C'est tout simplement cela. Et quand vous avez fini, tout le reste, tout ce qui a suivi après, ce n'est que la résultante directe, ce n'est que la conséquence directe, hein, de la première acceptation
de la nouvelle loi qu'on a cherché à triturer par la suite. Moi, je dis, en fait, c'est mon point de vue, hein, et je dis que peut-être que si ces gens-là n'avaient pas déféré à la nouvelle loi, ils auraient pu continuer aujourd'hui à dénoncer la mise en œuvre de la seconde loi, c'est-à-dire l'élection dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde loi, et aujourd'hui, le débat serait autre. Peut-être même qu'ils ne seraient pas en prison. C'est mon avis. C'est ça. Alors, ce que je veux... Monsieur Panou, permettez-moi de rebondir rapidement, s'il vous plaît. On ne va pas perdre du temps. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Oui, non, ce que dit Monsieur Hassani est valable, mais je dis non, ça ne marche pas comme ça, parce que Patrice Talon, ce n'est pas le genre de personne qui a honte de diriger le pays dans l'illégalité. Il s'en fout tant que l'armée peut lui permettre d'être le président de la République et de briser tout le reste. Donc, si les gars n'étaient pas allés à l'élection, ce que Galou Sogolo a fait, c'est bien courageux, mais ça n'a rien arrangé, puisque quel est le résultat aujourd'hui? Ça n'a pas permis à Patrice Talon de ne pas aller à l'élection, ni de gagner l'élection par la fraude. Donc, ce que je dis, c'est que c'est ce que Réki Amadougou ont fait, c'est ce que Joël Aïvo ont fait. Le fait qu'ils se soient même retrouvés en prison, qui nous permet aujourd'hui d'avoir à nous et à l'opinion internationale, d'avoir la conviction que Patrice Talon est quelqu'un qui est prêt à tout et qu'il faut le combattre dans ce sens-là. C'est ça. Monsieur Kourou, rapidement. Oui, ce ne serait pas rapidement. Hein. Je vous ai laissé jouer le match entre Hassani et Ourou. Vous allez quand même me permettre... Absolument, allez-y. Merci beaucoup, merci, Monsieur Vital. Non, nous sommes en train de faire ici maintenant des supputations. Or, le schéma qui se présentait à nous avant les élections en 2021 était un schéma absolument clair, qui a pris son contour à partir de 2018, ce que nous, on appelle au Front souverain le fait générateur de la crise qui nous a fait traverser les deux élections qui ont précédé, législatives et municipales, jusqu'au présidentiel. Donc, il y avait bien une situation de crise depuis 2018 à partir du projet de loi pour la charte des partis politiques jusqu'au nouveau code électoral, pour finir ensuite par le parrainage. Et le Front souverain n'a pas arrêté de dire quand une loi est scélérate, quand une loi est mauvaise, il faut la combattre et la combattre absolument. Et dans ce schéma, il y avait tous les grands partis politiques qui pouvaient se prétendre être dans l'opposition qui étaient sur ces trajectoires jusqu'à la veille des élections. Où est-ce que nous trouvons le LD qui trouve un candidat pour aller contre la position de boycott de l'opposition? Le Front souverain a boycotté jusqu'à la veille des élections. Et même le jour où nous avons boycotté. Ceux qui étaient dans l'opposition, qui se disaient dans l'opposition ou dans la résistance, il était clair. Mais nous voyons... Et c'est là qu'il faut préciser ce que nous appelons opposition dans notre pays, une mosaïque. Nous, on a fait des articles et on a été très clair, une opposition poussive. C'est pour ça que nous disons que nous sommes dans l'opposition, mais nous ne sommes pas cette opposition-là. Le Front souverain n'est pas cette opposition inconséquente. Et il faut être très clair, il ne faut pas mâcher les mots. Tout ce que dit Ourou, ça, c'est ce que... l'individu Tartampion dans la rue, à gauche ou à droite, le Béninois Tartampion peut dire, mais pas un discours que quelqu'un qui a suivi l'évolution de la crise politique dans notre pays jusqu'aux élections présidentielles peut dire. Je suis tout à fait d'accord avec M. Hassani, moi. Je ne vais que faire compléter ce qu'il a dit. Toutes les lois ont été... Nous avons eu un appui très important de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a dit que toutes ces lois-là, en tout cas, à rejeter, et sur lesquelles nous devons même nous appuyer dans toute l'opposition, que ce soit le LD, les démocrates, que ce soit même Joël Aïvo, ou que ce soit Réki Amadougou,
dégagée par le LD, les démocrates, nous devons nous appuyer tous pour boycotter les élections et laisser celui qui a fabriqué une autoroute pour lui tout seul depuis 2018, vous pensez qu'il va arriver maintenant en 2021 et dire « je vais mettre un barrage sur mon propre autoroute pour ne pas passer ». Vous rigolez? Nous, on a convaincu tout le monde. On a dit, on a crié haut et fort, on a dit « ne faites », on a même critiqué les démocrates d'avoir cherché à prendre le récépissé. Parce que nous, on a boycotté jusqu'au présidentiel, on a même dit au Front souverain que nous n'irons même pas demander le récépissé. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Il faut reconnaître que l'opposition dans notre pays ne gagnera jamais face à Talon, parce que Talon les connaît parfaitement. Et c'est par où les tenir. Excusez-moi l'expression, je ne peux pas le dire, je ne sais pas si je peux le dire ici en antenne. Hein, il sait les tenir par les couilles. Connaît leur faiblesse. Je ne peux pas imaginer que un Joël Aïvo, par exemple, à cette période-là, avec la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, avec tout ce qui s'est passé, puisse dire qu'il se présente face à Talon et aura le nombre de parrainages qu'il faut. Je ne peux pas comprendre qu'un parti sous l'influence de Yahi Boni, les démocrates, puisse aller prendre le récépissé. Talon voulait ça. C'est pour ça que dans sa tournée, il a dit « Yahi, avec tes groupes, allez vous présenter, je vais vous donner le récépissé. » C'est pratiquement ça. Parce que c'est Talon qui donne. J'insiste sur le mot « donner ». C'est lui qui donne le récépissé. Et on a bien vu que ces militants du LD, ces membres du LD, ils voulaient se récépisser pour aller défier Talon. Celui qui a construit une autoroute pour lui depuis 2018, pas tout sort de loi, en modifiant la Constitution, nuitamment, en votant la loi sur le parrainage, en faisant voter la loi sur le parrainage et tout, il va vous permettre d'aller aux élections pour aller l'affronter, sachant qu'il va vous battre. Il vous a déjà mis un piège comme ça pour les législatives. En vous disant, et excusez-moi, je vais chuter par là, Vital. Oui. Il vous a déjà mis un piège en 2018 avec la modification de la charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Et vous pensiez que vous irez modifier, vous allez faire un nouveau congrès constitué de vos partis, avoir le récépissé, avoir tout ça et participer aux élections législatives, battre Talon. Talon sait qu'il va vous empêcher d'y aller parce que si vous y allez, effectivement, vous allez le battre. Et il n'est pas con. Et il a répété la même chose et les démocrates sont encore tombés dans le même panneau et aujourd'hui Oru va nous justifier que Rekia Madougou c'était ceci, que Joël Aïvo c'était ceci. Laissez-moi finir, je vais chuter puis je vous donne la parole. Après vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je veux dire simplement, vous auriez pu laisser Talon tout seul face à ceux qu'il va désigner, hein, les hommes de paille qu'il aurait désigné pour lui faire face. D'ailleurs, il y en aurait très peu. Il n'y en aurait même pas. Hein? Si vous enlevez Joël Aïvo, vous enlevez Rekia, qui faisait partie de FD, vous enlevez Joël Aïvo, ceux qui ont fait face à lui, il va rester qui? Paul Oumpa, pour faire face à Talon, avec son duo, l'autre qu'on a connu là. Mais qui c'est qui va les regarder? Bon, en tout cas, je suis en train de vous dire quelque chose ici. Mm-hmm. Nous n'avons pas une opposition au Bénin. C'est une opposition poussive. Nous avons écrit là-dessus clairement et allez lire. En 2018, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous disons qu'il n'y a pas d'opposition au Bénin. Justement, c'est la dernière question que je vais vous poser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on sent que l'opposition est presque inexistante au Bénin, M. Koro? Aujourd'hui, vous dites qu'on n'a pas d'opposition au Bénin. Qu'est-ce qui a été à l'origine de la désintégration de cette opposition? Parce qu'à un moment donné, même, on a parlé des forces de la résistance. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas vu ça? Est-ce que ça a été la guerre de leadership? Est-ce que selon vous, c'est le fait qu'il y a eu peut-être des velléités pour le positionnement à l'élection présidentielle? C'est pour ça qu'on a assisté à ça en 2021? Non, c'est le mal dont souffrent toutes les classes politiques en Afrique. Les hommes politiques en Afrique souffrent du fait que nous sommes dans un système qui les embrigade par
Nous n'avons jamais compris que nous devons avoir un discours visionnaire pour changer nos pays en Afrique. Je vais prendre le cas du Bénin en particulier. Depuis 1960, nous n'avons jamais eu d'hommes visionnaires pour transformer notre pays. Nous sommes rentrés de la colonisation à la néocolonisation, qui est une forme de gestion du patrimoine que le colon nous a remis entre les mains, c'est-à-dire notre territoire d'aujourd'hui, qui n'était pas, si on prend par exemple le sud, hein, ce n'était pas le royaume de Béhanzin qui allait jusqu'au nord. Et si on prend le nord, ce n'était pas Biokaba et Biogera et Kaba, ce n'est pas leur territoire qui arrivait jusqu'à Cotonou. Quand le colon s'en va et vous remet un territoire comme ça qu'il a modelé à sa façon, il conduit pendant plus d'un siècle, vous avez à vous poser des questions sur comment vous allez gérer ce territoire-là, vous reconstituer en nation. Et nous ne nous sommes jamais posé la question de nous reconstituer d'abord en nation. Ce qui a fait que nous avons à chaque fois poussé des individus. Il est beau, or on va le prendre comme président. Il a beaucoup d'argent, il a des voitures. Je vais vous dire, il y a un grand communicant au Bénin, il passe sur tous les plateaux, on le connaît. Il a dit, si celui-là, il va être candidat, il n'a pas de voiture, vous pouvez déjà considérer que ce n'est pas une bonne chose, qu'il va mal gérer le pays. Voilà des idées que nous avons. Non pas, c'est le discours politique dans notre pays qui est malade avec ceux qu'on appelle les élites éduquées dans la langue française, qui sont hors sol vis-à-vis de l'attente globale de notre propre peuple. Et c'est pour ça que nous sommes dans l'errance depuis 1960. Et c'est ça qui fait nous conduit à dire que nous constituons une opposition poussive, et allons connaître très bien cette opposition, quels sont ses points faibles. Ça conduit bien entendu au problème de leadership, au problème de régionalisme, au problème des clubs politiques. Ça conduit à tout ça. Et ce n'est pas les réformes de talons qui vont résoudre ce problème. Alors, monsieur, on est en train de parler de l'opposition. Cela ne s'est jamais produit au Bénin. En 2021, on a connu une consécration, la consécration d'un chef de file de l'opposition en la personne de monsieur Paul Rouquin. Et depuis donc sa consécration en tant que chef de file de l'opposition jusqu'à aujourd'hui, quelles ont été vos attentes et, sur la scène politique nationale, et est-ce que vous estimez aujourd'hui, au regard de tout ce qui s'est passé depuis donc sa désignation, que le personnage joue effectivement le rôle qui est le sien? Je peux continuer? Non, Monsieur Hassani. Non, mais laissez les autres parler aussi, monsieur. Non, j'aimerais quand même rebondir sur ce que disait monsieur Couloir à l'instant par rapport à l'opposition, pour dire qu'on n'a pas d'opposition. Et parfois, je me dis, Dieu, il aime vraiment le Bénin. Et l'avènement de Talon en 2016 reste pour moi, c'est une interprétation personnelle que je fais, reste pour moi une preuve de magnanimité de Dieu à notre égard, de miséricorde à notre égard. Et vous savez pourquoi? Parce que voilà, une classe politique, une politique humaine qui s'est érigée en classe politique et qui a officié pendant 30 ans. 30 ans de compromission, de collusion, de supercherie, de bêtises, d'accord? 30 ans de manque de vision, 30 ans d'errement et d'errance, malheureusement. Et malheureusement ou heureusement, en 2016, nous tous, je fais partie d'ailleurs de ceux qui ont participé à l'élection de Patrice Talon, je ne le regrette pas. Je l'ai regretté à un moment donné, aujourd'hui je ne le regrette pas, je dis franchement, il fallait que ça arrive pour qu'on voit le vrai visage de l'opposition. Non, pas d'opposition. L'opposition, c'est souvent une opposition aux intérêts. C'est une opposition opposition, malheureusement. Et c'est ça qui fait la conséquence de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Vous parlez de qui est opposant aujourd'hui? Citez-moi un seul nom d'opposant. Dites-moi telle personne, je vous dirai qu'il s'oppose à rien du tout. Il s'oppose parce qu'à un moment donné, ses intérêts
ont été complètement bloqués. Il n'arrive plus à faire ses marchés. Il n'arrive plus à bénéficier de paiement, malheureusement. Et il devient opposant. Celui qui m'a précédé tout à l'heure a dit un truc, c'est passé en filigrane. Mais moi, je ramène ça. Je vais remuer cela pour vous dire que, comme vous voyez, l'opposition telle qu'elle est constituée depuis 90. Et ce n'est pas du fait de Yahya Boni, ce n'est pas du fait de Kérékou, ce n'est pas du fait de Soglo, mais c'est du fait du contexte politique dans lequel la classe politique s'est constituée et qui malheureusement l'a transformée en filière politique. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé, bon, a cité des noms, je ne vais pas me permettre de citer des noms ici aujourd'hui parce que, bon, voilà, moi, je suis moi, M. Oru et M. Oru, je ne vais pas me permettre de faire certaines allusions que je partage. Il a fait certaines allusions tout à l'heure que je partage proprement. Voici des gens, de voyous politiques, excusez-moi du peu, des voyous politiques qui sont constitués, mais qui malheureusement n'ont aucun idéal politique, qui n'ont aucune idéologie, et Talon le sait, malheureusement. La classe politique telle qu'elle est aujourd'hui, là, l'opposition politique appartient à Talon. L'opposition politique aujourd'hui appartient à Talon. Il a évoqué le cas tout à l'heure de comment il s'appelle, de Paul Humpe. Je dis, Paul Humpe, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y en a, les Paul Humpe, il y en a à foison. Et je ne pense pas que Paul Humpe soit le plus grand mal. Le plus grand mal là, c'est ceux qui se disent aujourd'hui opposants. Et quand vous fouillez, ces gens qui ont certainement des dossiers ou des gens qu'on vient bloquer pour une question ou pour une autre. Ils n'ont pas d'idéal politique, malheureusement. Moi, personnellement, j'ai voulu être candidat à l'élection présidentielle de 2021. Je l'ai voulu, je l'ai préparé, je l'ai vraiment voulu. D'accord? Mais je n'ai pas été candidat. Pourquoi? Parce que je n'avais pas les moyens. Et je ne pouvais pas m'inscrire, je ne pouvais pas me mettre dans le starting block tel qu'avec les lois qui étaient là aujourd'hui, qui sont là aujourd'hui plutôt, je n'ai pas pu. Je me suis retiré tranquillement. Mais ceux qui ont pu, qui ont voulu le faire, qui viennent aujourd'hui nous dire comment ils se sont opposés, comment ils ont trouvé les moyens pour le faire. C'est très important. C'est hyper important. Et tout ça là, c'est chose que Talon sait malheureusement. Et il a, tout à l'heure, je le disais, quand on a commencé l'émission, j'ai dit, ce qui les oppose, ce qui oppose l'opposition est plus fort que ce qui l'oppose à Talon. Talon connaît chacun des membres de l'opposition. Et aujourd'hui, il reste le seul métronome de l'opposition. Parce qu'étant le métronome de la classe politique, il reste le seul métronome de l'opposition politique au Bénin. Monsieur Sané, ce que vous venez de dire tout à l'heure, là, vous avez dit ceux qui ont voulu être candidats de venir justifier de où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent. Est-ce que vous ne vous mettez pas dans la même position que le chef de l'État lorsqu'il a été interviewé par les journalistes de RFI et de France 24 qui disaient que quelqu'un a débarqué avec une valise d'argent? Est-ce que ce n'est pas être un peu subjectif sur un candidat que de demander à quel candidat où est-ce que de venir justifier où est-ce que tu as trouvé ton argent pour venir faire campagne? Vous n'avez pas eu les moyens de faire campagne ou bien d'être candidat, mais vous ne pouvez pas. Je ne suis pas héritier, monsieur Vital Panou. Tout le monde sait au Bénin, et je suis sûr que même le chef de l'État sait que j'ai des ambitions présidentielles. Je veux être président de la République. D'accord? Je veux être président de la République. C'est cette ambition-là. Et je crois que je peux faire quelque chose. Mais le contexte politique béninois, l'arsenal juridique à disposition pour organiser l'alternance au pouvoir ne me permet pas d'accéder. Malheureusement, je le sais et je m'y conforme. Les gens ont pu le faire. On va évoluer. Monsieur Boni, du rôle du chef de file de l'opposition, puisqu'on en a eu un désormais depuis donc, l'année 2021, est-ce que lorsque vous voyez le chef de file de l'opposition s'est sorti, je ne sais pas s'il y en a déjà eu, jusqu'à aujourd'hui. Comment percevez-vous le chef de file de l'opposition tel qu'il a été désigné aujourd'hui en la personne de M. Rompé? Merci, M. Vital. Nous parlerons du chef service de l'opposition tout à l'heure, mais permettez-moi de griller quelques minutes dans mon temps pour répondre un peu à M. Kodo, parce que je trouve M. Kodo un peu méprisant. Parfois, je me demande si M. Kodo est opposant à Patrice Talon ou s'il est opposant à Boni Richard. Je trouve qu'il est tellement méprisant que ce n'est pas ce ne sont pas des capacités qu'ils ont propres à un homme politique que de dire que
les quatre empions béninois ne peuvent pas analyser la politique. C'est que si on doit suivre ce que dit M. Kodo, par exemple, c'est que c'est totalement utopique. Ce sont des utopistes, parce que si on doit suivre M. Kodo, c'est qu'on ne doit rien faire. Dès lors qu'il y a un problème, tout le monde doit, on doit rester en stand-by et regarder Patrice Talon. Ça arrange M. Kodo, parce que lui, peut-être qu'il a un parti politique fantôme, il a juste envie de bavarder un peu sur les réseaux sociaux, prendre son avion, aller faire des allers-retours au Bénin, manger un peu de la pâte, et ça et là, et rentrer chez lui. Mais là, dans ce cas, oui, on peut accepter ça. Dans ce cas, on peut tous ne plus rien faire et rester dans l'immobilisme. Et puis dire, bon, Patrice Talon a déjà voté des lois, alors nous allons tous nous mettre sur les réseaux sociaux, commencer par écrire des petites affaires. Mais non, il y a des gens qui ont dit non, nous n'allons pas faire ça. Mais avec qui il a voté des lois, nous allons affronter ces lois-là et nous irons à ces élections-là. C'est ça qui permet aujourd'hui que nous puissions avoir ces débats-là encore aujourd'hui. Ça nous permet aujourd'hui de dire cette élection n'est pas crédible, parce que ça n'est tellement pas courageux, il n'est tellement pas du tout rusé, qu'il ne peut même pas affronter ses adversaires. C'est juste quelqu'un qui profite de largesse des pouvoirs politiques qu'on lui a donné avec un dispositif politique et une armée aux ordres qui lui permet de faire tout ce qu'il veut, mais il ne peut pas lui-même, quand il dit, si c'était moi, je serais allé à cette élection-là, moi, je voulais tout faire pour aller à cette élection-là. Quand il disait ça à Mbeki et aux députés à l'époque, ce qu'il disait lui-même ne peut même pas se l'appliquer, puisqu'il n'est pas capable d'aller à une élection et affronter des gens, même frauder dans les isoloirs, il n'est pas capable de le faire. Donc, c'est quelqu'un de totalement incapable, et c'est parce que les joueurs, là, Yvon Eric et Atmanoubou, ont dit qu'ils iraient à cette élection-là que nous avons pu nous rendre compte aujourd'hui que Patrice Talon, c'est juste une couille molle, quelqu'un qui n'est pas du tout courageux et qui n'est pas capable d'affronter cet adversaire droit dans les yeux. Maintenant, pour revenir à la question du chef service de l'opposition, vous savez ce que chef ça dit tous file, les jours. Chef de file, non pas bon, chef, écoutez, service. Chef de file ou chef service, excusez-moi le lapsus. Monsieur Rupert, vous savez, la politique, c'est quelque chose d'assez expressif. Ouais. Et M. Rumpa n'est même pas capable de lire un document qu'on lui a écrit à l'Assemblée nationale, qu'on prenne ce genre de personne pour être le coursier de Patrice Talon vers l'opposition pour aller s'asseoir devant la presse et raconter. Il n'est même pas capable de dire deux ou trois choses. Donc pour moi, franchement, je dis, c'est pas un vrai débat qu'on doit avoir sur ce genre de personnel. J'ai de la peine de parler de Paul Rouvet parce que normalement c'est un Béninois, je lui dois beaucoup de respect, mais il a un rôle qui ne lui convient pas du tout. Je le vois être retraité, directeur d'école retraité dans son champ au milieu de ses 12 femmes et 50 enfants en train de manger du manioc, du bon manioc avec de l'eau rouge. Ça lui va très bien, mais venir comme ça dans l'espace politique alors qu'on n'a pas de mots, on n'a pas d'idéologie, on ne sait même pas ce qu'on veut faire. Le monsieur se perd dans son bobo pratiquement quand il est là. C'est juste parce que Patrice Talon a voulu marquer le coup à Yahi Boni. Et qui de mieux est-ce qu'il fallait prendre pour briser le moral à Yahi Boni que de prendre un coursier et d'en faire un chef de l'opposition? C'est une insulte aux Béninois et un coup dur pour Yahi Boni. Bon, Yahi Boni l'a pris comme il l'a pris et puis on continue. Moi, pour moi, je n'ai pas vraiment de... Ça me coule là-dessus. Merci, M. Boni. On va donc continuer dans cette émission, parler d'un autre sujet, bien évidemment. Un événement qui aura marqué... Monsieur Vital. Oui, M. Kodo. Vous me zappez sur Rumpé? Non, je ne vais pas oser le faire, M. Kodo. Allez-y. Merci beaucoup. Non, monsieur, je voudrais d'abord... Monsieur Ouro disait tout à l'heure qu'il était un coursier de talent. Vous êtes du même avis? Pour moi, c'est un non-événement. D'abord, je vais profiter pour dire deux mots à M. Ouro en disant que le Front Souverain est un parti politique qui a rassemblé les 12 départements en 2018, en mars 2018 précisément, à son congrès. Grand public au centre de promotion des artisans à Cotonou. Avec Un instant. Je vais répondre à cette question en même temps. Donc, le parti a eu son récépissé en 2018, avant la nouvelle charte sur les partis politiques, et a fait un congrès grand public avec une représentation des 12 départements à l'époque, a fait des affiches dans tout Cotonou
de Calavi à Étoile Rouge affiche 2 mètres sur 2 mètres, presque dans les grands artères de Cotonou, avant de tenir son idéologie. Congrès. Et dans son, avant de faire son congrès au CPA, Centre de promotion des artisans, en plein cœur de Cotonou en 2018, et ensuite a eu son récépissé avant les nouvelles lois. Aujourd'hui, notre parti a une représentation dans les 77 communes du Bénin, et c'est un parti qui intervient régulièrement sur la scène politique, et ce n'est pas notre seule action. Nous parcourons, et moi-même personnellement, lorsque je prends mon avion, comme M. Oro l'a dit, d'ici pour aller au Bénin pour manger ma pâte et ma sauce, parce que c'est dans ça que je suis né, je prends aussi mes deux pieds et je parcours tout le Bénin. Et il y a beaucoup de témoignages là-dessus, des photos, des vidéos. Nous sommes en campagne depuis 5 ans et nous avons parcouru tout le Bénin. Et moi-même, personnellement, j'ai parcouru tous les 12 départements du Bénin, si je n'ai pas pu parcourir les 77. Mais des éléments du Front souverain sont en train de le faire et continuent toujours de le faire. Et ça, là, c'est depuis 5 ans, puisque nous sommes arrivés au même moment que Talon en 2016. Je voudrais demander la même preuve à M. Ourou, savoir quelles sont les actions similaires qu'il a pu mener au Bénin de la sorte. Donc, nous sommes bien un parti politique. Et ça ne suffit pas. Le Front souverain, par son discours aujourd'hui, modifie le discours politique au Bénin et ne permet plus à des aventuriers de venir se présenter et dire du n'importe quoi avec de l'émotion, avec de la crétinisation pour dire que nous voulons accéder au pouvoir. Et c'est le cas de ceux dans l'opposition que nous avons cités tout à l'heure. Parce que le Front souverain dit toujours, pour accéder au pouvoir désormais, il va falloir que vous nous présentiez une vision claire, nette et précise de ce que vous voulez faire pour votre pays avant de demander du dégagisme. Donc le Front souverain a botté en touche dès 2016 en ce qui concerne le dégagisme. Le dégagisme, ce n'est pas ce qui gouverne un pays. Je vais vous donner des indications puisque j'ai... On parle de l'opposition. Je vous parle de l'opposition. En 2006... Là, vous nous parlez de votre parti. Oui, non, je ne vous parle pas de mon parti. Je vous parle de l'opposition. Parce que mon parti est dans l'opposition et même l'opposition. Donc, en 2006, c'était un ras-le-bol qui a fait que Yahi Boni est venu. En 2016... Vous profitez de l'antenne pour faire du prosélytisme. Non, je ne fais pas du prosélytisme. Non, vous me laissez finir, M. Ourou, je ne vous ai pas coupé. Donc, en 2016, qu'est-ce qui a fait venir Talon au pouvoir? C'est la pourriture de Yahi Boni. En 2021... Il y a quelqu'un qui est venu et qui s'installe et qui a compris qu'il n'y a que des aventuriers qui veulent le faire dégager. Et nous, on dit, vous avez contribué à faire venir un aventurier au pouvoir. Il a très bien compris votre schéma. Et c'est ce que regrette M. Hassani. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, comme disait l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas une voiture, vous ne pouvez plus être candidat au Bénin. Ou alors vous avez un sponsor qui vous donne de l'argent, 50 arrivé, millions. Si arrivé à Hassani, il n'a pas pu être candidat parce qu'il n'avait pas les moyens. Voilà, il n'a pas d'argent. Peut-être même qu'il n'a pas la voiture, comme l'autre disait. Il n'a pas 4x4. Il n'a pas une belle maison. Il n'a pas un beau vêtement. Et non, j'ai un donc pas... vélo. Ah, tu as un vélo? Bon. Donc toi, tu es balayé d'office. Moi aussi, je suis balayé. On va évoluer. Il y a beaucoup de points sur lesquels on doit intervenir encore. Bon, donc, moi, je vous dis, Paul Rumpé, un accident de parcours. Non, c'est un non-événement. Paul Rumpé, c'est un non-événement. Nous n'allons. Bon, ceci étant dit, ce n'est pas parce que nous avons dit que c'est un non-événement que ça ne s'impose pas à nous, comme tout ce que nous avons considéré comme non-événement depuis 2018. Et qui s'impose à nous jusqu'aujourd'hui. Patrice Talon, nous avons écrit en avril 2018, noir sur blanc, et vous pouvez aller voir, que l'opposition poussive, inconséquente, qui est en train de fonctionner dans notre pays, va tracer un boulevard pour Patrice Talon, et sur ce boulevard, il va rouler comme il veut.
Et c'est vous n'avez pas été écouté. Qui explique, et c'est ça qui explique la présence aborder, de Paul Rumpel. Et ce Paul Rumpel va s'imposer à vous, que vous le veuillez ou pas. Vous pouvez considérer que le fonds souverain de M. Kodo ou que M. Kodo est un supporter de talent ou tout ce que vous voulez. Nous, on ne va pas jouer dans ce discours conformiste On va évoluer dans nous n'allons pas avoir peur du discours préconçu. On continue droit dans nos bottes à jouer notre rôle. Très bien, monsieur Kodo. L'opposition poussive et la mouvance de talons. Merci, M. Kodo. Puisqu'on parlait donc de la présidentielle et puis de son organisation, vous savez que cette présidentielle a été émaillée d'échauffourées, de bagarres, d'affrontements. Alors, il y a toute une crise des leaders politiques qui ont été arrêtés dans la foulée donc, de cette élection présidentielle et la tension politique qui a régné dans le pays. Et puis, à un moment donné, on a parlé de main tendue du chef de l'État. Et finalement, on a vu avec grand étonnement que l'actuel président et son prédécesseur se sont rencontrés. C'était exactement le 22 septembre, si ma mémoire est bonne. Et on a suivi le président Yahya Boni qui a déclaré à la presse que l'objet concerne un seul point. C'est ce qu'il a bien dit, l'objet concerne un seul point. La question de la décrispation politique, ce qui suppose qu'entre-temps, il y avait crispation politique, et c'est de la décrispation politique qu'il est allé discuter avec le chef de l'État. Au regard de tout ce qui s'est passé du 22 septembre jusqu'à aujourd'hui, pouvons-nous parler de décrispation politique, M. Hassan? Et quelle analyse faites-vous, quelle analyse faites-vous donc de cette rencontre entre les deux hommes politiques? Hier, adversaire, voire même ennemi. Non, je suis... comme nous sommes sur un plateau qui est quand même suivi, je vais reprendre ce que j'ai dit sur la République et que vous avez lu certainement. Malheureusement, M. Orou et M. Kourou ne sont pas sur la République, donc n'ont pas eu... Ah, c'est vous, M. Orou, qui Il faut préciser à ceux qui nous suivent. Oui, c'est moi. D'un forum de discussion qui est baptisé La République, pour que les gens comprennent. Oui, c'est moi, malheureusement. Donc, je disais à l'instant que je n'attendais pas grand-chose de la rencontre Yahya-Talon. Et malheureusement, tout ce que j'ai dit à cette époque-là s'est réalisé. Vous voyez, il y a eu le procès Madougou, il y a eu le procès, d'abord il y a eu le procès Aïvo d'abord, non? Je crois, oui, hein? Oui. Et ensuite le procès Madougou, et vous avez vu, j'ai prédit que Yahya se comporterait comme une cape, et ça n'a pas loupé. Yahya n'était pas allé voir Talon pour décrisper la décrispation, c'était entre Yahya et Talon. Parce que moi je l'ai prédit, c'est pas que j'ai eu vent de quoi que ce soit, mais connaissant Yahya Boni, sachant à peu près ce pourquoi il se donnerait autant de mal à aller voir Talon, j'ai compris que c'était personnel. C'est une rencontre personnelle. Et malheureusement, j'ai lui dit qu'Aïvor et l'autre aussi ont vraiment eu beaucoup d'espoir par rapport à cette rencontre. Non, Yahya ne parlera plus jamais. Yahya ne parlera plus jamais. Et la comédie la poussera bien loin en devenant désormais pasteur. Pour de vrai. Et des gens pousseront l'idiotie juste à aller prendre l'onction auprès de Yahya Boni. Ça va arriver. Vous verrez. Quand je le dis, je sais que c'est violent. Vous n'avez même pas besoin de rire. Hein? Moi, je sais que c'est violent ce que je dis. D'accord? Mais ce n'est pas moi qui suis violent. Ce n'est pas moi, ma bouche qui est violente. Mais c'est le contexte qui est violent. Ce sont les actes qui sont posés, qui sont violents, malheureusement. Et ça va être comme ça. Yahya ne parlera plus jamais. En tout cas, du cas de Rekia et de l'autre, il n'en parlera plus. Vous verrez. Tout son truc désormais, c'est faire en sorte de devenir le président des pasteurs du Bénin, et parce qu'il aura été président de toutes les façons. Bon, ça, c'était pour la boutade. Mais là, quand on revient sur le sujet en question,
Mais pourquoi est-ce que vous pensez, mais pourquoi est-ce que vous imaginez, bon Dieu, que parce que Yahya aura rencontré Talon, ça suffirait pour décrisper la crise? Ce qui, c'est plus profond, la crise que nous traversons là, ce n'est pas une crise qui est à la portée de deux personnes. Bon Dieu, c'est beaucoup plus profond que ça. Nous sommes dans la crise des valeurs. C'est une crise profonde, c'est-à-dire que intrinsèquement, quand vous prenez les leaders, je les appelle comme ça hein, pour l'instant, et c'est par abus de langage que je les appelle d'ailleurs ainsi. Quand vous prenez Adjavon, vous prenez Nujenoume, vous prenez, parce que moi c'est mes leaders hein, pour la plupart, vous prenez Soglo, vous prenez Yahi, vous prenez... Mais ce qui les oppose entre eux est tellement fort, est tellement puissant, qu'une rencontre de 2 heures ne suffirait pas pour régler. Non, c'est une crise des valeurs. C'est-à-dire que la facilité que les uns ont à trahir les autres est telle qu'aujourd'hui, il ne peut pas avoir un leader. Le seul leader au Bénin aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Le seul leader. Et vous savez pourquoi il est leader? Il n'est pas leader, pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, parce qu'il est plus fort, non. Parce qu'il a le pouvoir. Il a la signature nationale. Il a la signature républicaine. C'est ça en réalité. La puissance de Talon, il attire de ce qu'aujourd'hui les présidents de la République. Et il a compris que l'exercice du pouvoir est déterminant. C'est très déterminant. Et c'est pour cela que jamais dans les urnes, vous ne battrez Talon. Personne ne battra Talon. Et vous voyez, les lois scélérates que vous dénoncez là, vous les aurez davantage pour 2022, vous les aurez pour 2023, 2024 et 2030. Bon Dieu. Parce qu'il a compris que l'exercice du pouvoir est la seule chose qui pourrait créer la synergie de soi. Parce que regardez bien, même l'opposition aujourd'hui converge vers Talon. Les seuls, les vrais opposants aujourd'hui, c'est vous et moi. Hein. Il n'y a pas d'autres opposants. Hein. Si vous pensez qu'il y a d'autres opposants à Talon, à part vous et moi, là, vous vous trompez éperdument. Boni Richard, la rencontre, il y a eu Boni, on a cru espérer une décrispation politique. Pour M. Hassani, c'était plutôt une rencontre personnelle. Oui, c'est une rencontre personnelle. Je vais vous le dire comme ça. Monsieur Hassani n'a pas tort. D'abord, je voudrais dire à Monsieur Hassani, quand on vous écoute, Monsieur Hassani, on est désespéré. On a l'impression que le Bénin ne va plus marcher. Essayez d'avoir prochainement un discours plus empreint d'espoir. Sinon, c'est grave. Alors, oui, cher ami Vital, la rencontre Yahi Boni Patrice Talon est une rencontre totalement personnelle qui n'a rien à voir avec les Béninois dans leur ensemble. Et ça, je vous le dis parce que j'ai participé à cette rencontre, j'y ai joué un rôle fondamental dans cette rencontre-là, et je vous le dis sincèrement, ça n'a pas, et pour moi qui vous parle, je n'étais pas aussi naïf pour penser que Yahi Boni rentrait pour libérer Joël Aivor, pour libérer Ricard Mandougou, ou même plaider pour la cause des Béninois et Béninois qui croupissent sous le poids de la misère. Yahi Boni rentrait uniquement pour pouvoir retrouver son pays et vaquer à ses activités. Mais moi, pourquoi est-ce que j'y ai joué un rôle? C'est d'ailleurs ce qui est important pour moi. Pourquoi est-ce que j'y ai joué un rôle? C'est parce que à un moment donné, je parlais pratiquement 5-6 fois par jour avec Yahi Boni. Je ne l'ai jamais appelé, c'est lui qui m'a appelé. Je ne l'ai jamais appelé, je n'ai jamais composé le numéro de Yahi Boni. Et j'ai compris, quand je parlais avec Yahi Boni, que Yahi Boni était quelqu'un de très manipulateur et nuisible. Et ça, je vous le dis sincèrement. J'ai compris qu'il était très manipulateur et nuisible. Et Yahi Boni pouvait être tellement nuisible que si jamais, pour moi, personnellement, si Yahi Boni ne rentrait pas et qu'il ne rencontrait pas Patrice Talon, dès lors que Yahi Boni nourrissait le destin de rentrer, de retrouver sa terre natale et de vaquer à ses occupations, et je sais peut-être qu'il y avait d'autres intérêts derrière, si Yahi Boni ne rentrait pas, tous les efforts que nous aurons mis au profit d'un dialogue national ou au profit de lutte pour libérer Patrice Talon, pour libérer Ricard Mandougou, seraient des efforts vains parce que moi, j'ai participé à cette rencontre Yahi Talon simplement parce que j'avais l'idée de mener des actions pour la libération des prisonniers politiques et ensuite pour qu'il y ait un dialogue national. Et dès lors que j'ai commencé à parler avec Yahi Boni, j'ai compris que ce monsieur était tellement nuisible
que s'il il ne rentrait pas, s'il ne réglait pas ses problèmes personnels avec Patrice Talon, si on arrivait à obtenir l'accord pour un dialogue national, ce type mettrait les bâtons dans les roues au dialogue national, il mettrait les bâtons dans les roues à la libération des prisonniers politiques, parce que tout ce qui compte pour Yahi Boni, c'est Yahi Boni. Voilà pourquoi est-ce que moi, j'ai joué, j'ai fait ce que je pouvais, parce que Yahi Boni était, il faut comprendre, dans le moment, Yahi Boni était pressé de rentrer au Bénin. Et parce qu'il était pressé de rentrer au Bénin, à l'époque, Patrice Talon était en France pour le mariage de son fils, et moi, j'avais une rencontre avec Patrice Talon à son retour de la France. Et Yahi Boni voulait que ce soit maintenant, donc c'est pourquoi, et moi, j'attendais qu'il rentre au Bénin pour que nous puissions organiser la rencontre, et c'est pourquoi, et comme Yahi Boni était pressé, c'est la raison pour laquelle je suppose que son fils a lui appelé son ami qui est le fils de Patrice Talon, et comme l'ami était ensemble avec son père, ils ont dû, c'est pour ça que son fils est rentré dans le jeu, sinon au début son fils n'était pas dans le jeu, c'est parce que Yahi Boni était pressé de rentrer au Bénin et il n'avait plus les contacts de Patrice Talon, je vous le dis sincèrement. Donc Yahi Boni est tellement nuisible que s'il ne rentrait pas, rien n'allait pouvoir se passer. Malheureusement, les promesses qu'il m'a faites à moi personnellement, et c'est là où j'ai été peut-être naïf de le croire, c'est que les promesses qu'il m'a faites, c'est-à-dire... Vous êtes naïf, monsieur Richard Boni. Je suis monsieur d'accord. Richard Boni, même, hein? Je suis d'accord que on peut être naïf, okay, des fois. Une fois qu'on l'a reconnu... Excusez-moi pour l'interférence. Non, c'est pas grave. J'ai été naïf de croire que, okay, quand Yahi Boni allait rentrer au Bénin, qu'il allait militer pour la libération des prisonniers politiques et qu'il allait militer pour un dialogue national. Parce que moi, mon vœu sincère que j'avais, c'était qu'il y ait un dialogue national. Alors, quand il m'a dit, si je rentre, je vais aller avec un cahier de doléances vers Patrice Talon et je vais militer pour que ce cahier de doléances-là, pour que cette doléance-là aboutisse et que les prisonniers politiques sortent. Et dès que les prisonniers politiques soient sortis, qu'il y ait un dialogue national pour que tous les exilés politiques, tout le monde puisse rentrer, pour que nous puissions rebâtir notre pays ensemble dans la convivialité dans laquelle nous avons l'habitude de le faire. Je dis, OK, ce monsieur, il peut être, comme on appelle, la personne que je recherche pour pouvoir organiser mon dialogue national. Alors, je l'ai suivi bêtement. Finalement, j'ai compris que c'était encore, comme à l'habitude, un mensonge de politicien. J'ai été battu sur ce terrain-là et je l'accepte. J'accepte avoir été naïf, mais je le dis, Yahi Boni, le rencontre Patrice Talon, Yahi Boni n'avait rien pour de national. C'était d'abord en premier lieu. Yahi Boni voulait rentrer. C'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit, Richard, est-ce que tu as appris que Patrice Talon est allé à envoyer le médiateur à Tchaourou parler de main tendue? Je dis non, je ne suis pas au courant. Et effectivement, je n'étais pas au courant. Effectivement, je n'étais pas au courant parce que écoutez, moi, j'ai une entreprise à diriger, hein, donc j'ai plusieurs choses à faire quand je suis au pays. Je n'étais pas du tout au courant de cette main tendue-là. C'est lui qui m'en a informé. J'ai dit, ah oui, alors qu'est-ce que vous en pensez? Il dit non, est-ce que tu as... Je lui dis, je n'ai pas vu ça. Il dit, OK, dans ma 2 minutes, je t'envoie ça. Et puis, il me l'a envoyé comme ça par WhatsApp. Il m'a envoyé l'article sur la main tendue. Moi, je l'ai lu et puis je dis, bon, OK, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, bah, écoutez, il faut... Qu'est-ce que vous en dites? Mais si vous voulez rentrer au pays, il n'y a pas de problème. Alors, on a commencé à discuter à partir de là. Et je lui ai dit, quelques jours après, je lui ai dit, écoutez, vous savez, est-ce que vous savez que j'ai eu le président de la République au téléphone? Il m'a dit, ah oui, avec comment ça s'est passé? Alors, on en a parlé. On en a parlé très, très, très rapidement. Moi, je lui ai dit, vous savez, moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Tout ce que je dis, c'est ce que je fais. Donc, je lui ai dit exactement ce qui s'est passé, ce dont nous avons discuté. Et il m'a dit, bon, OK, alors, donc, comment est-ce qu'on fait pour le retour? J'ai dit, bon, okay, je vais y travailler, faire participer la presse et tout le reste, et voilà comment est-ce que ça a commencé. Maintenant, après, les gens ont dit, oh, Richard a pris 10 millions chez Patrice Talon. D'abord, c'est une insulte pour ma personne de parler de 10 millions. Au moins, ils auraient parlé d'un petit milliard, je comprendrais, mais 10 millions, franchement, je trouve que c'est un peu... Monsieur Kodo, je vous vois très, très, très attentif à ce que vos deux... vis-à-vis sont en train de dire, ils se sont rejoints pratiquement, hein, sur cette rencontre qui a été la rencontre de l'année, l'événement, on pourrait l'appeler l'événement de l'année, l'événement qui a apporté tous les espoirs, toutes les attentes. Non, jamais, il ne faut pas dire ça, Vital. Ah bon? Vital, il ne faut pas dire ça. Hein. Moi, j'ai prévenu, hein, j'ai dit c'était une grosse connerie,
et que cette rencontre, c'était une rencontre personnelle pour Yaï Boni. Je ne savais pas tout ce que Richard Boni vient de dire. Moi, je n'étais même pas au courant, mais j'ai quand même prédit, j'ai prédit tout ce qui s'est passé par la suite. Parce que je sais que désormais, Yaï Boni va se taire et vous ne l'entendrez plus jamais parler. Désormais, Yaï Boni aura de l'argent, il y aura les honneurs, il y aura sa pension, mais c'est tout. Ses enfants n'iront pas en prison et c'est terminé. Le reste, là, pipo. Monsieur Kodo, votre réaction. Bon, donc Hassan est en train de dire que Yaï Boni a vendu le peuple béninois qu'il a soutenu dans ses luttes contre Patrice Talon jusque-là et a résolu ses problèmes à travers cette lutte-là et a profité pour aller allumer le calumet avec Talon. Donc, problème de deux personnes. Non, de... monsieur, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous irez au bout de vos idées. Vous irez au bout de vos idées, je vous le garantis. Oui, Richard. Non, en fait, je vais dire quelque chose. Quand je parlais avec Yaï Boni, en fait, ce n'est pas parce que Yaï Boni a vendu le peuple béninois, mais c'est parce que Yaï Boni a compris. C'est mon opinion, monsieur Richard. Vous devez vous taire maintenant et je parle. De combattre, je vous en prie. De combattre pour vous devez vous taire, vous avez parlé. Maintenant, Yaï Boni a compris. On me donne la parole. Calmez-vous, monsieur Kolo, calmez-vous. Non, vous m'avez donné la parole. On va laisser monsieur Kolo terminer. Ok. Bon. Yaï Boni a sacrifié la lutte du peuple béninois pour le soutenir avec tout cet affrontement avec Talon. Et ce que mes deux vis-à-vis sont en train de dire là montre bien que c'est une lutte de personnes qui opposent ces individus. Et le Front souverain n'a jamais arrêté de le dénoncer et de l'écrire depuis des mois et des mois. Nous l'avons toujours dit. Je suis content que M. Hassani aussi soit allé dans ce sens pour dire que la rencontre entre Talon et Yaï, c'est un faux problème. Ils sont des amis de 30 ans qui se sont brouillés, veulent se retrouver pour allumer le calumet. C'est leur affaire, ce n'est pas l'affaire du peuple. Moi, je suis content d'entendre M. Ourou Richard dit qu'il est naïf. Et ça me réjouit d'entendre sa propre voix. J'ai été naïf. Bon, je vous l'accorde. J'ai été. Je vais reconjuguer le verbe. Alors, donc, moi, je suis bien content d'apprendre que M. Ourou dit qu'il avait été naïf. Et il avait été vraiment naïf. Parce que, rappelez-vous, le Front souverain avait écrit sur cette tractation à l'époque en faisant des pétitions à gauche, à droite, nous faisant rêver de ceci ou de cela. Bon, aujourd'hui, Yaï Boni s'est tu et s'est tu absolument. Il n'a même pas dit un mot sur Rekia ni sur Joël Aivor, leur condamnation, rien. Le Front souverain qui a dit, c'est un peu abusif, les condamnations, c'est le Front souverain qui a été accusé de n'avoir pas dit relax et j'ai mérité sur la place publique un lynchage pour n'avoir pas été conformiste ou supporter les discours uniques qui se propagent en ce moment, qu'il faut dire relax et ne pas avoir d'autres avis sur ces condamnations. Nous voyons bien, M. Vital, que M. Ourou, Richard, est une éminence grise de ces deux individus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le révèle sur le plateau. Vous comprenez que quelqu'un comme lui qui accuse, qui m'accuse ou qui accuse le Front souverain d'être supporter de Talon ou l'homme de Talon, il se révèle que c'est lui. Et c'est lui qui est l'homme. Il n'a pas dit, il n'a pas dit. C'est lui qui est l'homme de Talon. C'est lui qui est l'homme de Yaï Boni. C'est lui qui est l'éminence grise de ces hommes-là. Ça se voit puisque c'est lui-même qui le dit. Nous, on ne connaît pas ses secrets. C'est lui qui le dit ici sur le plateau et on l'entend. Alors, maintenant, quel est notre point de vue? On ne va pas... Bon, je pense que Hassani l'a déjà dit. Hein. C'est une duperie, cette rencontre. Et pour moi, c'est un non-événement. Il voulait encore tromper le peuple béninois une fois encore.
Mais depuis que le Front Souverain est arrivé, depuis 2016, et nous travaillons, vous pensez que les peuples béninois ne s'éveillent pas à la conscience de tout ce que nous disons? Le Front Souverain est le seul parti politique qui écrit un billet au moins par jour. Depuis 5 ans, il n'y a pas un jour qui est manqué. Et qu'est-ce que nous disons dans ces billets? Nous faisons suivre à nos populations l'actualité politique au jour le jour, la pensée de chaque acteur politique au jour le jour, depuis 5 ans. Et vous pensez que ça n'a pas de conséquences? Ta pétition là a donné quoi? C'est la preuve. 3 personnes sont sorties. 3 personnes ont été libérées sur ma liste. Bien. Donc, ce que je suis en train de dire, n'ont pas été libérés, ça c'est vos connivences ensemble. Tu nous traces ici, tu nous retraces ici, vos connivences, c'est votre salade. Vous êtes polémiste, hein, on dirait. Mais merci beaucoup. Il faut des hommes pour être polémiste. Donc, ce que je suis en train de dire, notre polémique à nous autres, au Front Souverain, est basée sur une vision claire, nette et précise pour notre société. Et nous disons que l'opposition poussive, puisqu'il faut parler d'opposition, et que nous aussi, nous sommes dans l'opposition, nous disons que l'opposition que vous considérez avec les démocrates, les républicains, les azanaïs, tous ces caciques de 1990 qui ont conduit notre pays jusqu'à aujourd'hui, nous les caractérisons d'opposition poussive et nous nous démarquons d'eux en disant que nous sommes la vraie opposition. Parce qu'ils ne posent tout ce qu'ils disent ne correspond plus à l'attente de nos populations. Mais ils ne le savent pas encore. Ils ne savent pas que tout ce qu'ils sont en train de dire, ce que les Orous sont en train de dire, ne correspond plus aux attentes de nos populations. Ça fait 60 ans qu'ils souffrent. Ça fait 60 ans que sur le plan économique, social, politique, santé, voilà, rien ne va. Talon prend les choses en main, oui, et révèle que rien ne marchera et que d'ailleurs, il a révélé. C'est voilà, pour ça que je reviens. On va retenir, globalement de vos 3 interventions. Il a révélé cette opposition. La rencontre du 22 septembre, ça s'est passé le 22 septembre. On retient globalement de vos 3 interventions que la rencontre a été plutôt une rencontre de Dieu pour un marché de Dieu. C'était une rencontre personnelle. Entre deux amis. J'avais reçu ici sur ce même plateau Monsieur Richard Rodriguez, qui a déjà annoncé les couleurs avant que vous n'en parliez aujourd'hui. Et en commentaire tout à l'heure sur Facebook, quelqu'un disait que Hassani était peut-être un médium. Il dit que Talon, et j'ai dit Talon, Yaïboni va se taire à jamais. Il ne reviendra plus jamais sur ce qui s'est passé pour cette rencontre. De toutes les façons, d'ailleurs, il s'est déjà perdu dans les couloirs du Palais de la République. Lui-même, il a dit. On va évoluer pour parler d'un autre sujet, hein, toujours au cours de l'année 2021. 2021, je disais tantôt qu'il n'y avait pas eu beaucoup de... Disons, notre Parlement n'a pas été très fécond en matière de législation, en matière de vote des lois. N'empêche qu'il y a eu quand même certaines lois qui ont été votées, dont notamment la loi sur l'interruption volontaire de la grossesse. Je vais vous demander d'intervenir très rapidement dessus. Et également d'intervenir sur la création d'un Institut national de la femme, un Institut national de la femme qui est dirigé aujourd'hui par Madame Prudencio et Afiavi, Claudine Afiavi Prudencio. Donc, quel est donc, selon vous, l'impact de cet institut sur le plan national, social de notre pays, le Bénin? Je vais demander à M. Hassani rapidement d'intervenir là-dessus. Ensuite, il y aura M. Kodo et puis M. Ourou pour intervenir sur ces 2 points-là très rapidement pour qu'on aille vite. Je vais commencer par mettre les points 2 à 2 pour nous permettre d'aller très rapidement. L'Institut national de la femme, dirigé par Madame Prudencio, et la loi sur l'interruption volontaire de la grossesse, les conséquences éventuelles dans les prochaines années, donc par rapport à cette loi. Monsieur Hassani. L'Institut de la femme, bon, pour la petite compréhension que j'ai de la chose, je me dis, ben, il fallait cet institut-là. Et la personne qui dirige cet institut, n'a pas été choisi au hasard. Regardez, c'est toujours encore la puissance politique de Talon qui se déploie. Hein. Quand je le dis, c'est que vous n'aimez pas, mais je vais quand même le dire comme ça, de façon aussi directe.
Je pense qu'il faut laisser cet institut faire ses preuves. D'accord? J'espère que Mme Afiavi évitera d'être superficielle et qu'elle prendra la mesure des choses, prendra la mesure des responsabilités qui lui sont désormais confiées, parce que c'est pas... Il y a quelqu'un qui m'a dit dans un avion il n'y a pas longtemps, parlant justement de cet institut, elle m'a dit, ben, écoute, c'est juste un chrysanthème. Je dis, non, c'est pas un chrysanthème, c'est pas un fait-valoir. Si elle veut donner du contenu à cet institut-là, elle va le faire. Elle a les moyens de le faire, de par son pédigré, de par son parcours, de par ses relations, de par ses ambitions, de par ses valeurs, elle peut donner du contenu à cet institut-là. Il faut maintenant aider cette dame à donner du contenu à cet institut. Il ne faut pas que justement elle représente juste des fleurs posées sur une tombe, d'accord, et que l'institut ne soit pas pour elle un fait-valoir politique. Ce n'est pas une élection politique. Il va falloir qu'elle le sache et qu'elle travaille à ce que ça devienne un institut, un réel institut qui produise des résultats, qu'elle ait des objectifs, qu'elle ait un chronogramme d'exécution, qu'elle ait un plan d'action, qu'elle fasse un plan d'évaluation et qu'il y ait une évaluation d'impact à la fin. D'accord? Ça, c'est pour ce qui concerne l'institut. Il ne faut pas que ce soit un institut budgétivore qui ne serve à rien. Il ne faut pas que ce soit un institut de plus. C'est un institut, et moi je dis, la création, ce n'est pas une création d'institut. C'est un réaménagement d'institut, parce que cet institut est justement existé. Il faut qu'elle lui donne un contenu et qu'elle l'accompagne réellement. Et nous devons tous l'accompagner, parce que si elle réussit sa mission, on aura tous gagné. Pour ce qui concerne la loi sur l'IGV, l'IVG, c'est ça? Oui. Sur l'IVG, je suis un peu dubitatif sur la question. Je vais être franc avec vous. Personnellement, il m'est déjà arrivé de procéder à ça. Je le dis et publiquement, je dis mea culpa, je regrette mon acte parce que je ne l'ai pas fait dans un cadre correct. Et je l'ai fait il y a très longtemps, ça a plus de 20 ans. Je dis, si cet enfant a existé, il aurait peut-être 30 ans aujourd'hui. Mais avec le recul, je me rends compte que j'ai failli tuer la fille de quelqu'un. Ça, c'est pour ce qui me concerne. Je sais que vous qui êtes sur le plateau, vous n'avez jamais fait ça. Je sais que les Béninois n'ont jamais fait ça. Je sais ça. Moi, j'ai fait ça. J'aime votre humour, là. Je parle pour moi, d'accord? Je dis, moi, je l'ai fait déjà. Et je vous assure que j'ai failli tuer la fille de quelqu'un. Si aujourd'hui, on crée un cadre légal pour que cette histoire-là se passe sans anicroche, je dis, je suis partant. Ce n'est pas pour autant que ça devient un passe-droit, ça devient une autorisation permanente pour tout le monde peut aller. Non, ce n'est pas ça. Moi, dans cette loi-là, c'est plutôt une autre partie de la loi qui m'intéresse. Cette loi, parce que c'est pas, on prend juste un pan de la loi et on en parle. Alors qu'il y a, un autre côté de la loi là qui, moi, m'intéresse personnellement. Vous voyez un peu? Mais cette loi, je crois que, et je pense même qu'elle a été, interprétée par je ne sais qui. J'ai lu rapidement sur les réseaux sociaux l'interprétation de cette loi-là. Mais je dis, il ne faut pas croire que c'est de l'anarchie, non. Je pense, et ça, ce n'est pas pour justifier les choses, je pense que le gouvernement a voulu ouvrir la chose pour que l'avortement clandestin, tel que nous le connaissons, moi, je l'ai fait à l'Étoile Rouge, là, je ne me rappelle plus trop où, et ça a failli tuer la fille avec qui je le faisais parce que j'étais élève ou je ne sais pas, étudiant à l'époque. Et je dis, c'est peut-être ça qu'ils ont voulu. Mais on aurait pu enrober un peu cette loi, on aurait pu mieux l'habiller pour qu'elle ne donne pas lieu à toutes les interprétations que nous avons eues, à toutes les interprétations que nous avons connues. Sinon, en soi, la loi n'est pas mauvaise. Et dire que, et je rebondis d'ailleurs sur le début de votre speech tout à l'heure, Vital Panou, dit que l'Assemblée actuelle a eu une paresse législative. Je dis, c'est faux, c'est archi faux. C'est l'Assemblée qui a voté le plus de lois. Et figurez-vous, l'Assemblée actuelle produit des lois. Non, je parle du cas de 2021. Je ne parle pas d'avant 2021.
Je parle du cas de D'accord, non, ça, je ne sais pas. Mais oui, je parle uniquement de l'année 2021. Si on doit considérer depuis 2019, c'est une autre réalité. Ah, voilà. Donc, c'est une assemblée très dynamique. C'est en tout cas, en matière de travail, de légifération, c'est une assemblée hyper dynamique. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup plus de projets de loi que de propositions de loi, alors que le rôle du député, c'est de légiférer. Hein, malheureusement, mais voilà, il y a plus de projets de loi. Réagir, M. Kodo, sur les deux sujets aussi très rapidement avant de passer à M. Ouro. M. Kodo. D'abord sur la personne de la responsable de l'Institut. Je pense que c'est une gratification du chef de l'État à son endroit. Et c'est une bonne chose. Ils sont dans le même plan. Et il faut savoir féliciter comment on appelle la docilité de ses partenaires. Donc, c'est une bonne chose qu'il ait nommé quelqu'un dans son camp pour un institut. Moi, je ne connais pas les prérogatives d'un tel institut. Je ne sais pas quelles sont ses missions, ses rôles, qu'est-ce que ça peut apporter à la femme béninoise et de quelle façon. Et de quelle façon surtout. Maintenant, vous avez lié cette question à une question qui concerne encore les femmes, à savoir l'interruption volontaire de la grossesse, qui est, je crois, autorisée, c'est ça, hein? Autorisée pour être mieux contrôlée. C'est ça, oui. Bon, vous êtes tous sur le plateau des Béninois comme moi et vous voulez légiférer sur les conséquences de la misère, les nombreuses conséquences d'un État failli qui est l'avortement. Est-ce que les femmes béninoises, après cette loi-là, ou sans cette loi-là, est-ce que les femmes béninoises ont du mal à mener une telle opération ou pas? Non, elles n'avaient jamais eu de mal à le faire. Et cette loi ne changera pas pour autant la situation non plus. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Attention, je dis bien, c'est un non-événement dans les conditions de notre pays où vous avez 99% de la population qui sont mal instruites, qui ne savent ni lire ni écrire aucune langue, même pas celle qu'elles parlent au quotidien, sous-informées sous tous les plans, et que c'est une minorité d'intellectuels, 1% à peine de la population qui prend des décisions à leur nom, ils savent se débrouiller sans le pouvoir. Ils savent se débrouiller sans tous les gouvernements qui sont passés. Les femmes savent se débrouiller quand elles sont confrontées à des problèmes où elles doivent interrompre ou ne pas interrompre une grossesse. Cette loi n'apporte rien. Pour moi, c'est un non-événement. Maintenant, il faudrait attirer notre attention sur une chose. Et nous sommes un parti politique, c'est notre rôle. N'en déplaise à M. Ourou Richard. Il y a... Non, vous êtes opposé à moi ou à Patrice alors? À vous, spécialement. Et je ne rigole pas, monsieur Ourou, je ne rigole pas du tout. Monsieur Vital, vous m'écoutez sur le plateau ou pas? Ce qu'il y a, il y a un ecclésiaste de la place qui a attiré notre attention sur quelque chose et au Front Souverain, on a trouvé que nous devons vraiment prendre ça en compte et nous méfier. Quand nous disons que nos partis politiques ne sont pas visionnaires, Talon, lui, par contre, est venu, il a pris le pouvoir. Et nous avions dit dans une précédente émission, il y a quelques jours, quelques semaines, que lorsque vous avez le pouvoir, c'est un rapport de force
La politique est un rapport de force. Et lorsque vous avez le pouvoir politique, c'est un rapport de force. Talon a en main ce qu'on appelle le collier d'immunité dans une émission ici en France. Il est devenu intouchable. Il est devenu intouchable pour la simple raison que, comme nous l'avons fait remarquer, il n'y a pas d'opposition réelle dans le pays. C'est des courants de... c'est des contradictions d'intérêts qu'il y a dans le pays. Donc, n'est pas une opposition réelle. Merci beaucoup. Je viens. Dans vos... Merci beaucoup. Non, dans vos... je viens. Au Front Souverain, ce n'est pas une individualité qui compte. C'est un parti politique avec une vision. C'est Front Souverain, LMA. C'est la vision. Oui, j'allais dire Front Souverain, donc, pas LMA. Voilà. Le Front Souverain, c'est un creuset dans lequel tous ceux qui veulent bâtir une nation se retrouvent pour embrasser ce qu'on appelle la vision LMA. Notre langue, notre monnaie, notre armée, parlons qui est fondamentale. Donc, je reviens à ce que je disais. Oui. Cette loi sur l'IVG, Talon a signé avec l'équivalent de Club Med, je crois, ou bien avec Club Med lui-même, qui a été déjà racheté par les Chinois. Et dans le PAG, vous ne comprenez pas qu'il y a une ligne que suit Talon. Le développement du tourisme chez nous, à l'instar de certains pays du sud-est asiatique. Parce que ça lui rapporterait beaucoup, ça. Et si notre pays se développe uniquement sur le plan touristique, donc vous allez comprendre que les infrastructures, ils s'acharnent sur les infrastructures, ils s'acharnent sur l'électricité, ils s'acharnent sur tous ces éléments citadins. Ils s'acharnent sur l'embellissement d'une portion de la ville de Cotonou. Ils s'acharnent sur un certain lieu touristique précis pour développer du tourisme. Et vous avez bien compris que récemment, il a signé avec l'équivalent de Club Med. Je ne sais pas si vous connaissez ce multinational de la joie. Et celui, l'Ecclésiaste qui a attiré notre attention et dont je parle, fait bien la relation entre cette loi qui autorise l'avortement en nous disant que notre pays, en quelque sorte, sera transformé un paradis sexuel. En un grand junkie. Et si ce junkie s'installe correctement, il ne faudrait pas que ceux qui viennent vivre au junkie aient de problèmes juridiques avec nous. Ils pourront donner de l'argent et la fille ira avorter facilement, sachant que le pays lui-même était déjà appauvri et que nous sommes des pauvres. Et que peut-être, excuse-moi, hein, la fille de Hassani n'aura même plus de bicyclette si lui, il avait eu de bicyclette. Et donc, il sera soumis à ces gens qui viendront se reposer chez nous et profiter des filles à disposition. Et s'il y a un problème, eh bien, la juridiction, la loi les protège déjà, puisqu'il peut donner de l'argent à cette fille pour aller avorter tranquillement. Voilà dans quel contexte nous pouvons insérer cette loi, parce que cette loi n'a aucune importance visible, réelle, palpable, de besoin pour notre société. On ne voit pas le rapport. On ne voit aucun rapport, y compris l'institut dont vous parlez, et c'est peut-être cet institut-là, c'est pour ça qu'on a nommé. Et Talon ne fait rien pour rien, ne croyez pas, hein. Il trace son autoroute, comme M. Hassani l'a dit. Talon ne fait rien pour rien. Cet institut-là va se charger peut-être de cadrer les femmes pour les mettre correctement à disposition des riches touristes qui vont arriver dans notre pays, et le pays sera très beau. Attention à ce que vous dites. On va continuer de toutes les façons. On va continuer. Non, nous sommes là pour attirer l'attention sur des choses auxquelles peut-être personne ne pense. C'est notre rôle. Sinon, nous ne serons pas un parti politique. Absolument. Sinon, je serai... On va maintenant réagir sur deux autres événements qui
ont quand même marqué 2021. Hein, l'un des je précise que un plan comme ça de développement, de transformer un pays en pays touristique, nous ne sommes pas novateurs sur ce plan. Nous ne sommes pas du tout novateurs. Monsieur Woro, il y a deux autres événements qui auront marqué 2021. L'un des événements aura été qu'en 2021, il y a eu d'importantes saisies de cocaïne dans notre pays, le Bénin. Est-ce que peut-être il y en avait eu par le passé et c'est parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus médiatisé, ou bien les structures en charge de la lutte contre le trafic de la drogue et des stupéfiants est beaucoup plus outillée qu'aujourd'hui on apprend qu'il y a autant de saisies, d'importantes saisies de drogue et de cocaïne dans notre pays, le Bénin. Le deuxième fait sur lequel je vais vous faire réagir, c'est que pour la première fois, enfin, de façon officielle, hein, au Bénin, on a connu des attaques terroristes. Il y en a déjà eu 3 en l'espace d'un seul mois où il y a eu on peut dénombrer des cas de décès au niveau des forces armées béninoises. Monsieur Ourou, je vais vous faire réagir là-dessus. Votre micro est désactivé. Veuillez bien le réactiver très rapidement pour pouvoir intervenir. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu intervenir sur l'Institut de la femme et la loi sur l'IVG. Mais bon, je suppose que le compte tenu du temps, je ne pourrai pas. Pour l'Institut de la femme, je dirais, bon, c'est une très bonne chose, seulement que la personne qui est à la tête de l'Institut n'est pas représentative de ce que je voudrais pour des femmes dans le futur, parce que c'est une dame qui a passé tout son temps à jouer les jolis cœurs au chef de l'État. Elle n'a ni idéologie, ni comportement. Vous dites au chef de l'État, vous mettez ça au pluriel, bien c'est au singulier. Je mets ça totalement au pluriel. On l'a vu appeler Yaïb Boni Papa Bonheur, et quand Patrice Talon la voit, c'est comme si elle était en extase. Alors, maintenant, revenons à la question que vous avez posée, qui est d'autant plus importante, la question de la cocaïne. Quand je l'ai évoquée il y a quelques semaines, j'étais à bord d'un avion avec un Américain qui travaille dans une des institutions là-bas. Il m'a dit le gouvernement n'aime pas la concurrence. Donc, c'est tout ce qu'il a dit sur la question de la cocaïne. Donc, c'est pour dire relativement que... la cocaïne est peut-être gouvernementale et ce qui est saisi est peut-être la concurrence. Et ça se comprend très bien parce qu'aujourd'hui, je suis un peu peiné que durant tout ce que nous avons dit aujourd'hui, que ce soit M. Assouma, peut-être moi-même un tout petit peu, et M. Kodo, personne n'a réellement attaqué sur 2021 ce qui pourrait s'apparenter comme le bilan de Patrice Talon, alors que cette saisie de cocaïne ou le fait que le Bénin soit devenu relativement aujourd'hui une plateforme de la cocaïne en Afrique de l'Ouest est quand même révélateur d'un certain niveau de notre économie. Parce qu'il ne faut pas oublier que au niveau, certains gouvernements abusent aussi de la vente de cocaïne pour pouvoir financer des politiques publiques ou rembourser des parties de la dette qui n'ont pas utilisé vraiment au bénéfice des populations. Parce qu'en réalité, la dette n'est pas le vrai problème que nous avons. La question, c'est de savoir si la dette, elle est proportionnelle au bien public, au patrimoine public pour lequel elle devrait servir. Donc, si les populations doivent hériter de quelque chose, si elles héritent d'une dette conséquente, est-ce que le patrimoine public dont elles héritent est conséquent à la dette? Aujourd'hui, ce n'est pratiquement pas le cas. La dette, elle est exponentielle, mais le patrimoine public, bon, M. Hassani disait qu'il a vu quelques routes, ce qu'il a beaucoup sublimé, ce n'est pas le cas parce qu'il y a un biais entre l'observation et le résultat. L'observation, ce qu'on observe, n'est pas toujours ce n'est pas toujours au résultat qu'on attend, parce que ce qu'on veut dans un pays tel que le Bénin et dans presque tous les pays, c'est qu'il y ait une économie stable, c'est qu'il y ait des populations qui vivent convenablement dans un pays. Or, aujourd'hui, on parle de bonnes routes, on parle de 9 000 milliards de dettes et les populations sont encore relativement abruties, sont sous-éduquées et ne s'alimentent pas convenablement. Donc, pour moi, M. Hassani a peut-être sublimé, moi pas.
parlant de la cocaïne. La cocaïne, elle intervient dans ce contexte-là. Vous savez que si vous avez lu l'histoire économique du Japon, le Japon aussi, les Japonais, le gouvernement japonais même a abusé de la vente de drogue à un moment donné pour pouvoir financer son développement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui au Bénin? Je n'en sais pas grand-chose, mais c'est quand même bizarre que ce soit autant de Patrice Talon. Je ne dis pas que c'est parce que nous sommes mieux outillés pour arrêter les gens. Nous sommes mieux outillés certainement pour arrêter des opposants qui ne sont pas armés. Mais ce n'est pas parce que nous sommes mieux outillés que nous arrêtons des contrebandiers de cocaïne. Et d'abord, il n'y a jamais eu de bonnes enquêtes sur la provenance de la cocaïne. Personne n'a il n'y a jamais eu de résultat d'enquête, alors que chaque fois, il y a des conseillers, des communicants qui viennent à la télé vous dire comment est-ce que Romuald Wadaï a atteint tel nombre de croissance, tel chiffre de croissance, comment est-ce que Joël Aivor a été arrêté, pourquoi est-ce que le procès de Joël Aivor valait 10 ans, mais personne n'est jamais venu vous dire quelle est la provenance, vous ne connaissez même pas en réalité qui sont les réels contrebandiers. On va arrêter comme ça quelques 2 ou 3 personnes qu'on fout en prison juste pour pouvoir faire taire l'opinion, mais en réalité, on n'en sait pas grand-chose. Donc, le monsieur avec lequel j'ai voyagé récemment qui me disait que l'État n'aime pas la concurrence a peut-être résumé la question. Parce qu'aujourd'hui, il y a le Panjari qui est là aujourd'hui, sur lequel il ne faut pas oublier qu'il y a un petit aéroport et qui n'est pas contrôlé par les institutions béninoises, ni par l'armée, ni par la police, ni par les gardes forestiers béninois, qui est contrôlé uniquement par des gens qui ont signé un contrat avec le gouvernement de Patrice Talon, donc en l'occurrence avec Patrice Talon lui-même. Donc, toutes ces portes-là sont des portes d'entrée facilement de la drogue sur le territoire béninois sans que les institutions, et quand je parle, je fais la différence entre institutions et Patrice Talon. Il y a un contrat entre Patrice Talon et ceux qui gèrent le parc de Panjari aujourd'hui, mais sur lequel les institutions béninoises qui sont totalement isolées aujourd'hui de la gestion publique n'ont pas un droit de regard. Parce qu'il faut que les institutions béninoises aient un droit de regard pour que les populations béninoises en savent quelque chose ou que relativement une certaine presse encore consciente puisse avoir de l'information. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ce parc-là de Panjari aujourd'hui est un ciel ouvert aujourd'hui pour n'importe quel trafic. On ne sait pas, peut-être qu'il se fait aujourd'hui du braconnage et les Chinois sont friands de braconnage quand vous voyez l'ambassadeur chinois à chaque fois venir féliciter Patrice Talon, c'est qu'il y a un intérêt qui ne dit pas qui est en train d'être réalisé là. Alors, donc, il faut faire attention. Je sais que tout ce que je dis n'est pas basé sur des faits réels, mais j'en vois comme ça des idées dont il faut tenir compte. Maintenant, concernant le terrorisme, je l'ai dit, je l'ai écrit plusieurs fois. Je n'ai pas attendu d'être au Front Souverain pour commencer à attirer l'attention sur ce qui pouvait produire du terrorisme. Vous envoyez des pics, monsieur Oro, vous envoyez des pics, vous en aurez en retour. Hein. Ouais, c'est sûr, il n'a pas senti. Pour dire ce qui pourrait produire du terrorisme au Bénin, mais ceux qui sont des terroristes dans le Nord aujourd'hui, ce sont certainement des Béninois qui connaissent le Bénin, qui font ce terrorisme-là. Et je l'ai dit, quand on vous parle de croissance qui est portée par le coton, il faut voir derrière la croissance comment est-ce que cette croissance-là, elle est produite. Elle est produite par des tonnes d'engrais qui sont foutus dans le sol. Alors, pendant que nous sommes en train de produire de la croissance aujourd'hui et qu'il y a de l'argent dans ce secteur-là, on n'a pas trouvé en même temps une formation alternative à ces gens-là pour leur permettre, au cas où leurs sols ne pourront plus produire, pour leur permettre d'aller chercher de l'emploi dans d'autres domaines. On n'a pas fait ça. Alors, dès lors que leurs sols ne pourront plus produire, ces gens-là seront à la merci de n'importe quel vendeur d'illusions, dont les djihadistes. Or, le Bénin n'est pas aussi islamisé que ça. Donc, s'il y a de l'islamisme terroriste, du terrorisme islamiste au Bénin, ça veut dire que c'est juste la cause de quelques frustrations. Et si Patrice Talon ne sait pas faire ce terrorisme-là, quand ça va commencer à vraiment s'expandre dans le Bénin, et on n'aura pas besoin d'opposants, ni de Richard Boni, ni de Joël Aivor, pour foutre Patrice Talon du pouvoir, les terroristes. En 2021, le Bénin s'est-il révélé comme la plaque tournante de la drogue?
Merci, c'est aussi une question suffisamment sensible parce que parler de drogue, quand même, il faut avoir les tripes en place pour pouvoir en parler. Moi, personnellement, j'ai jamais vu la drogue. La drogue, j'en ai jamais vu. Mais je sais que la drogue, le Bénin, c'est pas en 2021 que le Bénin s'est révélé comme étant un pays, un narco-pays. Non, le Bénin, c'est un pays qui a toujours été la plaque tournante de la drogue dans l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a qu'à rentrer dans Calavi pour s'en convaincre. Il n'y a qu'à rentrer dans Calavi pour s'en convaincre. Quand vous rentrez dans Calavi, nous, moi, je fais partie des premiers habitants de Calavi il y a 20 ans. Hein, mais quand vous rentrez dans Calavi aujourd'hui, vous voyez toutes les maisons qui poussent comme des petits champignons. Et vous vous demandez, mais où est-ce que les gens gagnent de l'argent pour construire autant de buildings? Et cette floraison de maisons explique un peu les activités, les narcos activités de nos compatriotes. Donc, que le gouvernement béninois choisisse aujourd'hui d'arrêter ce trafic, du moins d'arrêter les chemins qui passent par notre pays pour ce trafic-là, moi je pense que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Et par le passé, on a vu des opérations policières qui ont conduit à arrêter des trafics de drogue, des trafiquants de drogue. Mais aujourd'hui, quand vous entendez les chiffres, quand vous entendez le tonnage, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est une rumeur, une fausse rumeur, qu'on a pris 2,5 tonnes de cocaïne dans notre pays. Je dis, c'est grave. Selon même certaines déclarations, 7 tonnes de cocaïne auraient transité par de petites embarcations vers la côte. Est-ce que... Voilà, c'est très grave. C'est grave, en tout cas, pour des gens, pour des hommes politiques, pour des gens qui veulent exercer le métier de politicien dans notre pays. Moi, je ne veux pas rentrer dans les supputations, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui arrime les opérations policières. Non, je ne veux pas rentrer dans ces choses-là. Je pense que s'il y a de la drogue au Bénin, il faut arrêter. Maintenant, il faut que les gens se reconvertissent. Parce que comme il a dit tout à l'heure, là, il y a quand même un problème qui se pose au Bénin. Maintenant, dit que c'est la concurrence, je ne sais pas si le gouvernement fait de la drogue. Si le gouvernement fait de la drogue, ce n'est pas une bonne chose. Elle devrait commencer par se censurer par rapport à l'activité. Mais je pense que c'est une très, très bonne chose. Quand vous regardez, même dans notre génération, vous voyez certaines personnes qui n'ont aucun boulot. Vous êtes toujours en deux avions et vous n'arrivez même pas à payer votre facture d'électricité convenablement. Mais vous voyez des gens qui n'ont pas d'activité définie, dont vous ne pouvez pas situer les bureaux, mais qui roulent de ces voitures, qui ont de ces maisons, mais qui vous laissent tomber sur votre derrière. Ça, c'est la vérité. Et on ne peut pas se réveiller aujourd'hui et dire qu'on découvre qu'il y a de la drogue au Bénin. Non, il y a de la drogue au Bénin. Il y a de la drogue au Bénin. On ne peut pas dire, moi, je ne peux pas dire personnellement, tel fait de la drogue, tel fait pas de la drogue. Mais je dis, il y a quand même des gens qui ont des revenus inconsidérés, inexplicables. Et c'est peut-être cette opération qui va conduire les gens à se reconvertir, qui va conduire nos jeunes à se reconvertir et à comprendre que le travail, là, on n'a pas besoin d'être riche. Vous avez une petite maison, une petite voiture, une petite femme, ça va. Ça va. Moi, je ne suis pas très ambitieux. Hein. La drogue, je n'en ferai jamais. Mais non, je ne suis pas très ambitieux, ça, c'est sûr. Et la drogue, je ne la ferai jamais. D'accord? Mais il faut reconnaître qu'il y a un effort qui est en train d'être fait. Quand vous prenez le passeport béninois aujourd'hui, pour ceux qui voyagent, ils savent que bon, même si au-delà de tout ce qui se dit, on se dit non, mais la démocratie, on sent que le pays est un peu sérieux. On sent qu'il n'y a plus n'importe quoi qu'on peut faire passer dans nos aéroports au Bénin. Et moi, ça me fait plaisir. Maintenant, est-ce que c'est l'effet de manque de concurrence? Je ne sais pas. D'accord? Est-ce que ceux qui sont là aujourd'hui font de la drogue? Je ne le crois pas. Parce qu'ils nous fiscalisent assez suffisamment. Dans un pays, on retrouve 2,5 tonnes quand même.
Non, je dis, hein, ils nous fiscalisent déjà suffisamment fortement qu'ils n'ont pas besoin de faire la drogue pour être riche. Ah non, moi, non, c'est pas vrai. Monsieur Assouma, est-ce que quelqu'un qui n'a pas une certaine protection peut se permettre quand même de faire entrer 2,5 tonnes de cocaïne dans un pays comme... Mais si le même gouvernement, justement, si le même gouvernement qui a peut-être protégé vient nous exposer quelqu'un qui l'a protégé auparavant, mais alhamdoulilah, disons amen. Mais où, après, où sont passées les 2,5 tonnes? Non, je ne veux pas ça aussi. Ça a été incinéré, ça a été déjà incinéré. Pour moi, c'est dénoncé. Comment est-ce que vous êtes sûr que c'est 2,5 tonnes qui ont été incinérées? Non, je ne veux pas. Que ce n'est pas de la farine qui a été incinérée. Non, 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 ne faites pas ça. Est-ce que ceux qui ont détecté, ceux qui ont attrapé les 2,5 tonnes là, étaient obligés de nous dire publiquement si c'est 2,5 tonnes? Mais au moins, c'est là où justement on manque d'être sérieux. Peut-être qu'en mettant le propriétaire en prison, on a gardé par devant soi la drogue. Non, monsieur Richard Auroux, laissez-moi vous dire une chose. Vous voyez, vous êtes très intelligent. Et moi, je respecte votre intelligence. Vous voyez? Mais ce qui me gêne un peu, c'est cette propension que vous avez à toujours tout tourner en dérision. Ce n'est pas bon. Parce que, à la fin, est-ce que ceux à qui vous parlez ne sont pas des idiots? Ceux qui ont attrapé 2,5 tonnes aurait pu dire non, on a attrapé et 20 tonnes. Pardonnez, excusez-moi. Aurait pu dire on a attrapé une tonne. Et celui auprès de qui on a même pris 2,5 tonnes là serait content qu'on déclare que c'est une tonne ou que c'est 500 grammes. Vous comprenez un peu? La personne ne viendrait pas dire ah non, j'avais 2,5 tonnes, non. Mais ils l'ont déclaré. À partir du moment où ils l'ont déclaré, il y a peut-être un autre problème que vous posez. Sans peut-être le savoir, la fiabilisation de nos institutions, la fiabilisation de notre police. C'est peut-être ça que vous... ça que vous mettez le point. Malheureusement, on est à court de temps pour la gestion de tous les points. On va passer la question, on va passer la parole à M. Kodo très rapidement. M. Assouma, vous n'avez pas réagi par rapport au problème du terrorisme. Allez-y très rapidement. Pour non, M. Kodo n'est plus obligé de parler. Pour moi, le terrorisme est un fléau. C'est comme Covid, d'accord. Et à partir du moment où ce fléau est aux portes de notre pays, il était inévitable. Et je l'ai dit depuis 2014. J'ai fait un post sur Facebook quand j'étais sur Facebook. J'ai dit bientôt on aura le terrorisme chez nous parce que tous les ingrédients s'entremêlent là et se mettent en place pour que nous ayons du terrorisme au Bénin. C'est inévitable. À partir du moment où la Côte d'Ivoire a été touchée. Le Burkina Faso a été touché. Le Niger est carrément le point d'ancrage même des terroristes. Et puis ceci, entretenu par des chefs d'État, et je pèse mon mot, le Bénin, qui a des frontières complètement poreuses, ne peut pas échapper au terrorisme. Maintenant, veillons à ce que ce soit du terrorisme religieux et que cela ne soit pas entretenu par des intentions politiques. Parce que le risque, c'est ça aussi. Parce que si c'est que religieux, c'est maîtrisable encore. C'est du djihadisme. Mais quand c'est entretenu par des intentions politiques, quand le politique vient alimenter le terrorisme sur un territoire, ce n'est plus maîtrisable. On a même eu à connaître des procès au terrorisme, au financement du terrorisme. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui dans cette émission, malheureusement. Mais ce que je vais vous laisser réagir sur ces deux points très, très rapidement, si vous le pouvez. Et puis, nous allons faire un dernier tour pour finir cette émission qui a déjà duré environ 2 heures. Oui, je vais faire très rapide parce que, pour une fois, je suis d'accord avec M. Ourou. Et je suis d'accord avec son argumentation sur le terrorisme et la question de la drogue chez nous. Lorsqu'on aborde ces deux phénomènes qui souvent vont ensemble, il faut les situer dans un contexte géopolitique et ensuite les situer sur la nature de notre État. Le contexte géopolitique
est telle que nous connaissons ce qui se passe aujourd'hui depuis le Mali, ainsi de suite, Burkina Faso, Niger, jusqu'à chez nous. Le contexte politique est tel que le Bénin ne pourra pas éternellement dire nous n'aurons pas du djihadisme ou que nous n'aurons pas des terroristes. Parce que ceux qui font du djihadisme ou du terrorisme ont leur source est alimentée par la pauvreté et la nature de l'État. C'est-à-dire, nous sommes des États faillis. Le Bénin est un État failli. Vous comprenez avec moi ce qu'on entend par État failli. C'est des États qui n'ont pas des institutions solides. Et le Bénin, étant un État failli, ne peut pas se mettre magiquement à l'abri du terrorisme et de la drogue. Précisément au Bénin, la gestion opaque de l'État vient certifier l'écoulement ou la diffusion de la drogue chez nous, pratiquement sans conséquence. Puisque vous-même, vous avez remarqué que dès qu'on en parle, on dit 2 tonnes 5 ou je ne sais pas combien de kilos, quelques jours après, on ne sait pas vraiment. Vous voyez le procès de Joël Aïvor de Rekia à Madougou, ont eu de retentissement. Mais nous voulons avoir de retentissement sur un procès concernant des gens qui sont concernés par la drogue depuis qu'on en parle dans notre pays, par exemple. Mais vous n'en avez pas. Et c'est de ça que parle Rourou. C'est pour ça que je dis je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas tout le temps qu'on se langue des pics. S'il y a des choses sérieuses qui sont dites, nous le supportons. Et c'est le cas. Là, par exemple, je suis entièrement d'accord avec lui. Nous avons une gestion d'État qui est opaque. Et cet État est d'abord un État failli, c'est-à-dire n'ont pas des institutions solides. Et c'est tout le problème de notre vie politique dont nous devons prendre conscience. Donc, je vais vous faire gagner du temps en disant que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, en validant les arguments de mes deux prédécesseurs. Voilà. D'autres points rapidement sur lesquels on aurait dû intervenir, c'est le retour des trésors royaux. Et on aurait pu intervenir par rapport à cela. On aurait pu également parler donc, de cet arrêté préfectoral interdisant la circulation des minibus, mesure immédiatement reportée après quelques heures d'exécution seulement. Il a été rappelé à l'ordre par son supérieur hiérarchique. Il y a également un événement sur lequel on aurait dû intervenir, c'est la formation du nouveau gouvernement, du tout premier gouvernement du second mandat donc, du président Patrice Talon. Un gouvernement qui voit en l'entrée officielle du PAD hein, dans l'équipe gouvernementale, on aurait dû intervenir là-dessus. Malheureusement, le temps nous fait défaut. J'ai tout de même envie de vous demander à chacun de vous, hein, de façon très directe et très honnête, de nous dire quelle est la plus belle image politique de l'année pour vous, M. Kodo. Sur le plan politique, vous voulez dire? Oui. La plus belle image qui vous aurait marqué en 2021. Qui nous aurait marqué en 2021 par rapport du côté de la mouvance ou de l'opposition. Quelle soit cette image, celle qui vous aurait agréablement marqué. L'image qui nous aurait qui nous a agréablement marqué, c'est la tournée qu'a eu à faire un jeune du Fonds souverain dans les 77 communes du Bénin pour faire comprendre à nos populations la nécessité d'utiliser un travail très sérieux, un outil civilisationnel important que Béninois a inventé, qu'on appelle l'alphabet de Adigbe Togbeji. Et qui permet d'écrire toutes nos langues au Bénin et même toutes les langues de l'Afrique. Et lorsqu'un alphabet naît dans un point de la planète, dans une civilisation, dans un pays, il crée toujours une civilisation. Et nous, on est très contents que cet alphabet soit né dans notre pays. Et ce jeune, qui était un dirigeant du Fonds souverain, a parcouru les 77 communes du Bénin pour faire connaître cet alphabet-là et montrer à nos populations qu'il était nécessaire de savoir lire et écrire sa langue. Merci.
Merci. Voilà, ça c'est une très belle image, mais cette image-là, elle vient vraiment du Front Souverain pour montrer encore une fois à Ourou que... Alors, monsieur Assouma, la plus belle image politique de l'année que vous auriez retenue. Vous me demandez en réalité la plus bonne odeur que je sens au WC. C'est ça en réalité. Je ne sais pas. La plus bonne odeur que je sens au WC. Je n'en connais pas, j'en ai pas eu. Vous n'en avez pas eu? Non. Aucune image politique agréable en 2021 pour vous? Aucune. Wow. Aucune, si je ne veux pas tomber dans du cynisme. Parce que je vous dirais que franchement, je suis content de voir que l'État, l'autorité de l'État se restaure. Monsieur Ourou, quelle aurait été la plus belle image politique que vous aurez marquée en 2021? Personnellement, j'en ai eu trois. La plus importante pour moi, c'est le refus des Béninois de se prévaloir de leurs droits constitutionnels pour participer à un crime électoral. Le fait que les Béninois se soient restés chez eux et ont refusé de donner leur onction à Patrice Talon pour se représenter, pour renier sa propre parole, pour ne plus être officiellement au timon de l'État béninois. Pour moi, c'est une image que je mets à l'actif de l'ensemble des Béninois, et je remercie du fond du cœur tous les Béninois qui ont refusé de se prévaloir de leurs droits et qui sont restés chez eux pour ne pas participer à cette élection de 2021. Je leur dis félicitations et chapeau. Ensuite, il y a le retour des trésors royaux, même si je les mets à l'actif de Patrice Talon, pour moi, c'est une belle image. Je sais que sans l'accord du président Macron, ça n'aurait pas pu être fait, mais du fait que ce soit Patrice Talon qui ait quand même fait la demande, je dis, au milieu de très mauvaises actions, il y en a une bonne. Pour moi, personnellement, c'était pas mal, parce que pour moi, même si ces trésors devaient rester au bord de la route, c'est pour nous, il faut que ces trésors rentrent chez nous. Et je le mets à l'actif du président Talon. Après, il y a un symbole très important pour moi, c'est le fait que Réki Amadou et Joël Aïba ont refusé de faire appel de leur jugement. Ça veut dire simplement qu'ils ne reconnaissent pas ce jugement-là et qu'ils refusent de faire appel à ce jugement. Pour moi, c'est hautement symbolique. Donc, ces deux faits sont très importants pour moi. Le refus de Béninois de participer à l'élection et le refus de Joël Aïba et Réki Amadou de faire appel. Après, le reste... Dernier essai à vous demander, si vous avez entre vos mains un carton jaune et un carton rouge, vous avez un carton jaune et un carton rouge, comme si vous étiez un arbitre, à quel fait marquant de l'année 2021 allez-vous attribuer le carton rouge, par exemple, ou le carton jaune, par exemple? Un carton jaune, par exemple, c'est un avertissement, mais le rouge, c'est que c'est une exclusion totale. Monsieur Kolo. Le carton rouge, c'est pour les élections... présidentielle avec toutes les fraudes qu'il y a eu. Il est évident que si notre pays continue sur cette lancée, ça décrédibiliserait complètement ce qu'on appelle la politique, étant donné qu'il n'y a même plus d'opposition réelle dans le pays. L'opposition est poussive, comme nous insistons à le dire. Donc, le carton rouge, c'est qu'il ne faudrait plus que, je ne sais pas si c'est en 2026, qui est plus, ou même avant, s'il y a d'autres élections, qui est plus une élection exclusive dans notre pays, émaillée d'autant de fraudes. D'accord. Alors, monsieur Assouma, le rouge ou le jaune, à quel fait marquant allez-vous l'attribuer? Mon carton rouge, ça va être à la classe politique tout entière, parce que je pense qu'il est temps qu'elle dégage. Et je n'ai pas de carton jaune. Je pense que mon carton jaune est complètement froissé déjà. Donc, j'ai honte de le sortir. Donc, il est rouge, quoi. Mais si la classe politique dont vous parlez venait à dégager, il n'y aura plus de politique au Bénin. Si, il y aura de politique, il y aura le Front Souverain. Il y aura peut-être Assouma Sané et Richard Boni. Merci, monsieur Assouma. Monsieur Ourou, votre carton rouge ou le jaune, à quel effet ou à quel événement vous l'attribuez? Le carton rouge, je l'attribue directement à la misère que subit le peuple béninois, la misère économique, la misère sociale que subissent les Béninois aujourd'hui. Les femmes sont dépouillées de leurs droits, les enfants sont terrorisés, leurs maris sont emprisonnés.
il y a un goulag carrément qui est créé au Bénin et que Patrice Talon, le terrorisme politique de Patrice Talon, je lui donne totalement un carton rouge pour que les Béninoises et les Béninoises retrouvent leur dignité, que l'économie recommence. On n'était pas assez bien, maintenant on est très mal. Vous savez, il y a quelqu'un d'intelligent qui a dit un jour, quand les gros commencent à maigrir, ça veut dire que les maigres sont morts. Et aujourd'hui, les gros commencent à maigrir. Et ce n'est pas bien pour le Bénin. Mon carton jaune, je donne ça au début du djihadisme qu'il y a au Nord. C'est un avertissement. Il ne faudrait pas que ça continue. Parce qu'en plus de la misère, il ne faudrait pas que les Béninoises et les Béninoises subissent encore le terrorisme. Merci en tout cas à chacun de vous. Merci à Wourou, merci à M. Kodo et à M. Assouma d'avoir été disponibles pour participer à cette toute première émission donc, de 2022 qui est consacrée à la rétrospective de 2022. Portez-vous bien. Moi, je vous présente encore une fois en cette fin d'émission mes meilleurs voeux et à bientôt. On se donne rendez-vous merci. Une autre fois. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Mina gigotome, mau baroto.